Mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous, ici Alpha. Nous sommes le 27 mai 2018. J'espère que vous allez très bien. Moi, je vais très très bien. Bonjour tout le monde, bonjour, installez-vous confortablement. On commence le live tout de suite. Aujourd'hui, j'ai vu Deadpool 2. Et ma foi, c'était très sympa. J'ai beaucoup aimé, je vous le recommande si vous ne l'avez pas vu. Ce n'est pas vraiment une surprise, hein, évidemment. Je veux dire, le 1 était très bien, le 2... Et tout aussi bien, voire peut-être même un peu mieux. Voilà. Vous allez bien, les copains? Vous avez bien la forme? Ce soir, ce sera de la duo avec Trauma. On va se faire de la duo sur nos fameux comptes John Wick, et Ethan Hunt. Donc voilà, le duo action ce soir pour vous, mesdames et messieurs. Donc voilà, on va faire ça tout simplement. Et du coup, ouais, je pense qu'on va rester en duo pour toute la soirée avec Trauma. C'est toujours bien pour la discute, tous ces genres de petites choses. Et du coup, voilà, je vais me démute. Allô, bonjour Trauma. Monsieur Cast, comment vas-tu? Ça va très très bien, et toi? Ouais, nickel, nickel. Attends, je vais couper ma musique. Voilà, parfait. Je pensais que t'allais... Oui, dis-moi. Ouais, vas-y. Moi, je pensais que t'allais saluer le stream. D'habitude, tu prends un petit peu de temps. Et... Bah là, ça y est, c'est fait. Moi, j'enclenche. C'est parfait. Allez, nickel. On dit salut, on dit bonjour et on est parti. Les gens veulent du sang. Les gens veulent du sang. Ça va très bien. Mais ouais, du coup, on va commencer en. On va faire du duo, je crois. On va rester en duo ce soir. Je suis bien chaud pour rester en duo ce soir, juste. Du coup, ouais. Le fameux duo de Action Man. Attends. Hop, alors je vais t'inviter, je suis connecté. Voilà, je vois le Etanent. Parfait. Uzi Fox. T'es en live aussi, Thomas? Oui, j'ai hésité parce que j'ai déjà live WoW cet après-midi, mais j'ai relancé le stream. Ouais. Double live pour, yes. Pour Trauma. Donc du coup, n'hésitez pas à aller voir le live de Trauma. Il est en live aussi, donc multi-twitch. Est-ce qu'on a un modo dans le coin? C'est cool pour... avoir un petit lien multi-twitch, sinon je vais vous l'envoyer. J'ai vu Gigi tout à l'heure, il y a Bipo. Je crois aussi. Gigi, hein. On l'a tous les deux. Moi aussi. Faut qu'on se fasse les mêmes games qu'hier soir, hein. On a découpé sec hier soir, hein. Putain. Oh oui, c'est pas untrenché. Oh oui. Hop. Pas gagné. Donc ouais, je disais, Trauma, j'ai vu Deadpool enfin, aujourd'hui, le 2. Tu l'as vu toi ou pas? Je l'ai vu il y a pas longtemps. Qu'est-ce que t'en as pensé alors? J'ai kiffé, j'ai beaucoup aimé. Ouais, j'ai pas mal, beaucoup, hein, rigolé. Il y a eu beaucoup de très bonnes punchlines et j'aime beaucoup Domino et Cable pour le coup. C'est vraiment deux personnages qui sont vraiment cool. Honnêtement, quand j'ai vu le trailer au début, je m'attendais pas à grand chose de la part de Domino. Cable, bon, en fait, moi j'ai joué au Deadpool de jeu. Et... Ah, c'est vrai qu'il y a un jeu, oui. Et dans le jeu, il y a Cable aussi. Et donc, en fait, je me doutais un peu de ce qui allait se passer avec Cable. Ouais. Et donc, j'ai eu moins, entre guillemets, la surprise. Même si tu t'en doutes quand tu commences à regarder le film. Mais il est cool. Mais c'est marrant, n'empêche. Il est charismatique, Josh. Ouais, il est badass, le mec. Hein. Ah, il est hyper badass, ouais. J'ai vraiment aimé le perso. Il est vraiment impressionnant. Non, je l'ai pas vu en 4DX, non. Je l'ai vu en normal. Je l'ai vu en normal avec mes cousins. T'es avec Gary? Ouais, je suis avec Gary et Loïs, c'est la copine de Gary. Loïs, c'est mon autre cousin que tu connais pas. Ah, d'accord. Ah, t'es con. C'est pas Loïs, c'est pas une fille. Oh là là. Ok. Pof, pof. Ah, nice. Ouais, du coup, pas mal, mais. Ici, je suis en live de Nutella. Pas mal, mais légèrement, je dis bien très légèrement, moins bon que le premier. Parce que tu l'as trouvé moins bon. Moi, je l'ai trouvé légèrement de très mieux. Peu. Ah ouais. Ah, comme quoi. De très peu, mais il y avait l'effet surprise, et puis je connaissais Deadpool, mais si tu veux là, de le voir au ciné, et d'ailleurs, faut dire que l'acteur est très très bon, hein, dans le rôle. Ça lui colle à merveille. T'as vu la scène de c'est, film, ouais. C'est lui, oui, évidemment. Post générique, hein. Alors, moi, je fais chier tous mes potes à chaque fois dès que je vais voir un film, moi en aussi. Mode... Ça se trouve, il y a un truc à la fin, même quand c'est pas Marvel. Hein. Ouais, je suis gros relou aussi pour ça. Après, c'est Marvel qui initie les gens à ce truc. Oui, clairement. Mais ça existait avant Marvel, ce truc, quand même. Dans quoi ils l'ont fait, alors, t'as un exemple? Parce que j'ai jamais vu en Marvel, moi. Je sais plus, mais je crois que... Je crois qu'il n'y a pas que Marvel. Ok. Du coup... Peter, pourquoi personne parle de Peter? Je suis en train de me demander si la scène qu'on voit... Non, faut pas que je... Bref.
Bref, c'était sympa. Ouais, non, j'ai passé un très très bon moment. Je me demande parce que apparemment ils vont peut-être pas faire un 3. Hein. Ah bon? Ah, ouais. Pas les combines ici. C'est bon, je t'ai sauvé. Thanks. Pas les combines sur Reaper. Hein. Il crevait. En 4DX, les sensations sont folles. Écoute, j'ai essayé la 4DX avec Ready Player One et. Bah, je trouve ça sympa, mais c'est très vite saoulant en fait. C'est ça qui m'a un peu saoulé. C'est que c'est très vite saoulant la 4DX. Faut vraiment, vraiment. Faut vraiment pas que ce soit un film où il y ait trop d'action. Parce que sinon, c'est vraiment, vraiment chiant. Moi, je sais que Ready Player One, il y a des moments du film où je me disais, oh, c'est bon là. C'est bon les vibrations, on voit même plus l'image. À des moments, ça bouge tellement que tu vois même plus l'image, quoi. C'est là, please. Ah, mais ça se pointe. Ah, ouais, oui. Non, enfin, genre, tu bouges tellement, la flinche, tu vois. T'es la flinche full, quoi, c'est terrible. Mais qu'est-ce qu'il fout, John, en diamant, t'as des cailles? Je crois qu'hier, on a perdu une game avant que je switch. C'est ça, en fait. En fait, j'ai perdu une game avant qu'on switch. T'étais pas sur John hier soir, si, je me rappelle plus. Non, mais j'ai commencé sur John, et ensuite j'ai switché sur Fagas. Et avec Locke. Oui, en fait, quand t'as rejoint, j'avais switché. En fait, j'avais perdu. En fait, les séries de lose, je les ai eues sur ce compte. Et ensuite, avec toi, on a win sur mon main. Non, ok. D'accord. Allo. Non. Can you go Zarya instead of Brigitte? Like, May and Brigitte is not really great. We don't have enough damage. Thank you, man. Tu l'as vu aux US aussi, ils sont toujours dans la buée. Non, je l'ai vu deux fois, Ready Player One. J'ai vu une fois aux US, et je l'ai vu une fois au multiplex de Montpellier en 4DX. Bon, Cass, t'es prêt en coupant tranche sur les enclenches. Ah oui, un trench. Allez. Yo guys, let's do it. Oh putain, j'aurais pu mourir. Prod up top, kill me life, Argent Shield. Big pleasure. Widow Sanzo. Widow. Where Widow? The broken. Fall back already. Don't to style. Ah, il m'a chase. Fuck. Savroom. Erreur de ma part là, j'ai trop grid. J'arrive pas à me placer comme il faut. Attendez-moi. Don't die. Wait. You don't have DPSs with you guys. Be careful. Double sniper, c'est casse-couille. Allez, on va se replacer. Behind you, on Mega. No. A killer. Bien joué le kill, mais ils ont une hanche donc ils vont revive. Nous on a pas de hanche donc on va pas revive. Heal broken. Ok, là. Hein. Need some healing when you can. That's pretty good. Là, franchement, un kill, faut que nos DPS se réveillent. Ah, c'est chiant. we should get a mercy. We're gonna swap now. Alors, le Hanzo bute absolument tout le monde ici. Regroupe. Dans les M Snowball, guys. Can you get mercy? I'm not going mercy. Hanzo has the dragon, do you want? As I said, Hanzo will be killed every time. Je vais me lâcher Hanzo là, t'es un peu lourd. Par deck aussi. Renlo. Vas-y, Ren. Reste en ignore him. What the fuck? He was behind us the whole time. Il est dead on front. Don't forget to front, guys. Il vient d'un please. Achilleur shooter. Ah, c'est chiant, il se fait full babysit. Il se fait full babysit. Full. Je ne peux pas le tuer. Je ne peux pas le tuer en fait. Il est complètement babysit, je sais pas comment faire. Bon. Ah, we should swap to a mercy. This is like obligatory. Come back. Sans déconner. Non. Il avait sa scène. Come back. Can you help me when I back charge, please? Je vais être obligé de jouer Widow. Il a juste à me tirer dessus là. Ah, ils sont endormis. Je vais prendre Brigitte. Okay. Yeah, I know. Play safe, just play on combos. Don't die. Don't peek. Play on combos, dude. This last point. I know, but we don't have a choice. We're still picking him. Don't hide here. Don't hide here. Like, wait. Insane. Don't die now. No one dies. No go one can side, die. Go left side. On the other side. No time. There is time. Stop being so panicky, dude. There is time. Go regroup, guys. Don't stress. Oh. Let's go. Stop.
Rodog on me, slow hit me. Ça c'est Rodog, something on him. One shitter. One dead. Fou. C'est un tel bordel, j'ai fait comme j'ai pu. Franchement, le KD a permis de l'aider un peu. Good job. Now we are. Now we hold. Let's go. Hop là. Nice. 4 minutes. We full hold. Would be easy with a mercy. Il a raison. C'est terrible, mais il a raison. Yeah, okay, it's okay, it's okay. Ça me fait chier, mais il a raison. Une hanche serait 10 fois mieux qu'une Anna. Ah ouais, depuis un autre. Anno, Anno, one. Viens avec toi, bon. Hello, agent shield. Cancel ma fire, j'ai tiré. Gonna combo. Dab shatter. Left side, Anno. What? Je me fais OS, donc quand je mets une paf avec Brigitte, c'est infernal. Nice. C'est le bump du payload avec la charge, mais pas trop marché. Je te heal. Anzo, top left, top right. Merci in the back, killer, killer, killer. Ah, mauvais réflexe que j'ai, je saute tout le temps quand je joue Brigitte. Ah oui, faut pas avec... Non, le Hanzo ne carry pas les copains. C'est juste qu'il joue Hanzo en fait, hein, là, pour le coup. C'est le seul DPS de l'équipe et c'est comme ça que ça se joue actuellement. Il joue bien après, effectivement. S'il joue Hanzo, mec, hein. J'ai l'impression que tous les Hanzo jouent bien, hein, tellement le truc est fort. Hein. Go. Hop, on a trouvé ton charme. Il est. Je prends le feu de partout, partout sur la fin, je suis débordé comme pour ramasser le feu, toi. Mais on tient bien. OMG, it's killing everyone. Non mais c'est débile, c'est attardé de ouf. Bizarre, faites quelque chose, vraiment. Ah, damn, on me. Throw it me, Anzo. Desk, desk, desk. Ah, tout le monde meurt. Le Hanzo est tout le monde. Yep. Ouais, Hanzo OP. Hein. Là, vraiment, full feed, Hanzo. Il bute tout carré. Le monde. En fait, il se fait complètement booster. Il se fait complètement booster par la hanche. Après, et du coup, c'est easy. Hein. Enfin, mec, c'est aussi simple que ça. La hanche, le full pocket, elle fait que ça. Lui, il joue comme il veut. On n'avait pas les bons combos, on n'avait pas de hanche, nous. Ouais, c'est clair. C'est bête et méchant, hein, mais là, ça passe pas du coup à cause de ça. Après, franchement, tu mets une Widow boostée pour le counter, tu mets que oui, têtes, mais le problème, c'est que nous, on n'avait pas de Widow, quoi. Genre, moi, je pouvais pas jouer Widow, je suis pas bon avec. Et puis, même pour Widow, c'est pas facile, hein. Hanzo, c'est tellement débile que... Ah, si les deux sont boostés, je pense qu'une Widow, elle bat vu que c'est un Niskan. Ah, si les deux sont boostés. Bah, oui, les deux boostés. Il aurait fallu une Ange plus une Widow, c'est ça le problème, ouais. Tu vois. Bah ouais, mais tu counter deux avec deux, franchement... Ouais, mais non, dans notre team, on avait ni Ange ni Widow, c'est ça le problème. Ouais, je sais. J'aurais pu leur suggérer, mais je pense qu'ils en auraient eu rien à foutre. Enfin, ils n'ont pas essayé. Ils étaient pas chauds déjà de base, donc. Mon chat qui dit Hanzo était vénère, ouais, c'est clair. Ah, il fait ce qu'il veut, il joue le nouveau Hanzo, il s'amuse quoi. Il est babysit, comme bon. Pour le coup, je vois ça toutes les games maintenant. Des Anges qui babysit des Hanzo toute la game et qui gagnent. Et en fait, je pouvais même pas sortir Babouin parce qu'avec le nouvel Hanzo, oh, bah oui. Fait, il m'aurait détruit la game. Ah, bah bien sûr. Il m'aurait fracassé. Non, ça me fait chier de le dire, mais en fait, ce rework, c'était pas une bonne idée. Ah, c'est juste qu'il faut tuner les chiffres, quoi. C'est... Bah ouais, mais enfin, faut... Là, mec, c'est tellement broken qu'il faut nerf, mais de... Beaucoup plus, quoi. Ouais. Bah, 70 points de dégâts, c'est toujours beaucoup trop. Élimination par Vianzo. Ah ouais, il a 4 de KD avec son Hanzo. C'est pas dégueu du tout. Kill death, tu sais, de ratio. Ah, je t'assure, hein. Regarde, tous les Hanzo main en ce moment, c'est ça, hein. Ok. Rien d'exceptionnel, ils jouent juste le nouveau Hanzo. Et ils font que le jouer en fait, c'est pour ça aussi qu'ils deviennent bons dessus, c'est qu'ils ne font que le jouer. Vu que c'est méta de ouf. Imagine pas... les mecs comme le Waxu, ils doivent exploser des têtes. Ah bah oui. Les anciens Hanzo quoi. Putain le il est yo master, à votre tour, show you. Agent Shield.
Le pire c'est que le raid en face, je l'ai empêché de jouer au max, hein. J'ai chié dégagé et tout. Il est pourri au raid. Hein. Mais on prenait la telle sauce du Hanzo que... Allez, push payload me. Don't forget. Drone payload please. Je leur mets de la pression là, je touche pas grand chose. Press the rain with me. Rain low. Mid. Donc le counter charge reflex, heureusement il avait déjà bougé. Il tue tout le monde encore, Hanzo. Ah, mais il fait ce qu'il veut, bien sûr. Ah, le problème c'est que. Non. Hey, this dude is insane. Yeah, he's still 500. Can we just do the same or take a counter? Like Widow boosted by Mercy, please? Je vais essayer. Et je pense qu'il va me tuer aussi. Je pense que c'est un. Potentiellement un smurf, le Hanzo. Mm. One shot. One kill. Hanzo top left. Rare in front. Lost Hanzo. Nice pick, merci dead. Can we get dive? Close the rain. I don't rest you. Go. Hello, Hanzo and Mercy are dead, go. No. Le pin n'a pas suffi avec la Varia. Hello, like, three of them are dead, go. Hard to go when you're all dead. Sans déconner quoi, non. That's finished. Ah, je vais me faire tuer. Mercy, hello, help. What? I'm gonna die. Hanzo's on top all the time. Should Hanzo get... was dead. I just killed him. Take the feed, please, my friend. Okay, just regroup. Don't stress. Not finished. Nice. Hanzo is dead. Go. Why you don't combo with Zarya, Hanzo? Don't waste your dragon. It's a nice one. Stop the rest, but I didn't get it. Mm-hmm. Ok, bonne rain. Treasure rain. Qu'est-ce qu'elle fait là cette Zarya? Treasure. Ok, tout le monde est mort derrière en fait. On a une team de meubles. Encore une. Elle avait collé sur ton chat. Guys, can we go everyone on the fucking high ground? One time, don't go on it's fucking payload. It's fucking lost. Just go top everyone, I got grabbed for this fight. Ok, let's do your grab and I will lead in the grab. I will try to shatter their back. No, I cannot. I mid. I'm on it. Ok, I try something. Ah là là, c'est stupidement fort. Nah, we lost too many people already. On a perdu trop de gens avant le fight. Regroup, come back, merci. Ok. Let's go. Oh, fuck. Non, on va rien faire là. Il fait vraiment mal, Hanzo. Elle va le raise. Hanzo is dead, go. Ah, et j'ai loupé ce tir parce que je joue pas assez Widow. Elle attend shatter, du coup. Bonne pilote. Pilote. Mon grappin c'est utilisé. Ok. Far in the back. Pas mal. Ouais. Il a dû faire 50 kills dans les Zakari. Ouais, bah ouais. Je pense que c'est un smurf free. Ouais, c'est possible. Il peut être très fortement. Ah nice Jean-Michel. Ouais, on passe à la next, hein. C'était pas balance. Ouais, c'était game de chauffe. Oui. C'est marrant parce que j'ai grappin à la fin. Et tu sais, il est parti en mode... tu sais, quand ton grappin avec Widow, il part mais il s'accroche pas. Ou genre, il ne fait rien, ça ne consume pas le cooldown. Là, ça l'a fait, mon perso n'a même pas bougé. Le cooldown était consumé. Oh, what the fuck. Pas trop compris. Attends une seconde, je reviens. Et là vous l'avez hein, les copains, si vous voulez savoir comment monter, vous trouvez une Mercy au TP, vous jouez Hanzo, et vous allez monter. Problème. Tant que cette saloperie n'est pas nerfée, ce sera comme ça. Et il faut survivre le temps que ça passe. Ou faire un break. Au choix. Peut-être pas ce genre de conseil. Bah... Non, mais là, c'était terriblement débile à quel point c'était facile pour le mec en face, quoi.
il spammait sa rafale, il tirait non-stop, il faisait mal skill, quoi. T'as pas une Widow qui peut le contest et qui est plus fort que moi, c'est mort, quoi. Le problème, c'est que ma Widow, elle est rouillée. C'est pour ça que Widow peut être bien dans cette méta, c'est parce que tu peux vraiment shutdown des Hanzo. Mais encore une fois, si l'Hanzo se fait booster avec la Ange, il faut que tu puisses le shutdown deux fois de suite. Sinon, tu peux pas, en fait. Bientôt, Zitoun. Le prochain alignement des astres, Erthaz. Oula. Il faudrait que les gâteaux secs commencent à jouer déjà. Il faudrait qu'ils jouent en fait, ouais, c'est ouais. Ça. Ce serait bien qu'ils jouent. Ils sont même pas placés. Parce qu'ils font... ils jouent pas en fait, donc forcément. Non. Et puis nous, ça donne pas envie de jouer parce que du coup, si c'est pour arriver dans une game et tout le monde en mode alors comment on joue à ce jeu, ouais. Et nous, on se tue à la ranked et on est les seuls à try, c'est un peu frustrant quoi. C'est la situation de pire en pire du coup, parce que nous on joue autant qu'avant, voire des fois plus, et eux ils jouent de moins en moins, voire pas du tout. Donc forcément, ça aide pas. Peut-être pas ouais. Du tout. On parlait du team play qui est catastrophique parce qu'on a un team play de team avec des platines, des diamants, des masters et des GM. Alors je vous dis pas la gueule du team play, connard. Quand on est 6, c'est vraiment infâme. Par contre, j'ai vu une question. C'est sur ton chat, quoi, je l'ai vu. Oui, par rapport à Hanzo, pourquoi on n'a pas pris Winston? Mais comme expliqué tout à l'heure, peut-être t'arrives après. T'es pour rien, Winston. Voilà, tu te fais défoncer la gueule parce que le Hanzo, pas l'ancien Hanzo, il te fracasse avec sa volée de flèche. Il a le dash out en fait quand tu tapes dessus. Et en plus de ça, il est boosté par la Mercy, ce qui fait qu'il t'éclate la tête si tu approches avec Winston. Winston n'est pas un counter Hanzo actuellement. Pas dans cet état et pas boosté par une Mercy en tout cas. Je le garantis. Voilà pour la petite explication. Tu qui demandais sur le chat. Mais ouais, c'est comme ça que ça fonctionne. On va faire une team full GM alors. Bah on pourra ouais, avec Nanak, Locke et Degain et tout, hein. C'est clair qu'on pourra faire ça. Ouais, c'est compliqué. Hein, de... C'est impossible de train rain en QP. Je le déconseille, Quick, s'il faut train rain, enfin, il faut pas le train, il faut le jouer en ranked, quoi. Comme ça que tu arriveras. Après, les mécaniques et tout, tu les prends en QP. Hein. Je suis pas trop d'accord avec le conseil que j'ai entendu hier sur un certain stream qui disait « Va te traîner en ranked même si t'as jamais joué le perso. » Ah oui, regarde là. Oh là là, il me donnait des... Je me sentais mal quand je l'écoutais. Hein. Ouais, ouais, non, ça je partage pas ce point de vue, je préfère le dire. Mais après, si, ouais, faut que t'as les mécaniques et compagnie, tu vas en ranked. Pas de problème. C'est là que t'apprendras à vraiment jouer ton rain, quoi. T'en QP, t'auras full DPS, ça va pas aller. Les trois, oui, pas, en QP, ouais, c'est ouais. Impossible. Hein. La plupart des persos, tu peux pas les traîner en QP. Hein. Hélas. Mais ouais. Bon, on y a répondu un peu à ta question, en fait, au final. Widow, hein, Zarya. Et... Allez, j'essaie de te booster, là. Nano, tu vas mettre des tartes. Tu vas mettre des pamphlets. Tu vas mettre des pamphlets dans le crâne. C'est parti là. Allez, c'est parti. Il est revenu sur ses dires par la suite. Ah, attends, mais il y a des mix alors. Il est revenu dessus. Le meilleur contre Hanzo, c'est Sombra qui a 90% des Hanzo ont pas d'aim et spam juste la volée. Ouais. Écoute, on rencontre pas les mêmes Hanzo, hein, ça pourrait pas. Le problème c'est qu'ils ont buff aussi la vitesse de déplacement de ses flèches de base, donc en fait, ouais. Quasiment du hitscan MDR quoi. Donc c'est pas vraiment le plus fun du monde de jouer Sombra contre Hanzo. Surtout que le problème de Hanzo, quand tu joues Sombra contre Hanzo, tu peux te faire OS mais vraiment random. Enfin pas random, mais tu peux te faire OS d'un coup. Et c'est le pire ennemi de Sombra, le OS. C'est vraiment le pire ennemi. Can you Hanzo? Who? Can Hanzo too. Yeah man, good. Let's go. Une bonne compo l'alpha. Putain, Brigitte Zarya et tout là, je vais me régaler. Brigitte à Anna. Elle est horrible Zarya. Cette voix. Il a fini de spammer. J'avoue. C'est désagréable. Let's go. Don't fear them. Elle crie en 10. Exactement. Ok, upper def, one point, oh I touch many people with fire strike. I prep in rain, I kill rain. C'est tout sip. Ah, Brigitte dead, I'm sleeping again. I go on Zen dead, I kill two.
Putain, en fait, ils ont une sur moi. Exact. J'ai balancé ma charge au moment où Rain sautait, du coup il a pris dans les jambes la charge. Je l'ai plaqué en fait, comme un rugby. Ouais, un putain de plaquage. Don't forget payload, guys. We'll do it, we are better than that. Somewhere right side, on the mega, on Yuana. She's out of there. I think she said that, yeah. Which one? Ah, stay behind my shield, please. Petite green. Ah ouais, très bien. I'm low, heal me. Thank you. Vas-y, on se rend. Oh, ok. Let's go, Ren. Hanzo behind. Ren. What the fuck is this Hanzo? Hanzo on the left? Ah, touche à terre, go. Y'a Hanzo qui nous pourrit dans le dos, bro. Hanzo in the back. Putain, il casse les couilles, Hanzo, personne le tue. Ah, il est mort. Ah, ça y est, là, notre Hanzo. Il s'est fait tuer par BOY! Ryan's gonna shatter. Attends, mais. Ouais, non. Là encore, niveau audio, je galère. Dragons are up. Yeah, Ryan has shatter, yeah. Don't worry. Ah, nice, c'est le fameux Domingo. Ah, oh, nice, man. Huge. Ah, cette erreur de débutant qu'il a fait quoi. Go, vas-y, on s'aime. Nice. Ah, shatter. Broken. Flipping. Il me tape tous dans la gueule, même pas en passant. Ah putain, il m'a poussé pendant le 1. Je te tiens. Ah non, c'est on the right hand side. Oh, never mind. Rain one. Ah, they're kiting me. Maybe too early. Ah, désolé. Rain. Vas-y, Rain. Not there. Huge. Intercharge, Rain. Pin, dead. Nice. Don't need to grab. We got this. Yeah, man. We got this. We will do it. Sorry, high ground behind someone, you. There's a Sombra here. Sombra next to us. I touch Zarya. Fais gaffe, bon. You can grab whenever you want it. Sombra is behind us, top. And then. Good job, my friendies. Very nice. Sombra is still in the back, I think. I saved you, Zarya. Il a lui burst tout son la Sombra, la pauvre Sombra, elle fait rien avec notre brigade. Ouais. Ça sert à rien, je me sens mal pour elle. Elle est paumée. She's ruining. Just push. Après, elle a pas conscience, elle sait pas que c'est pas méthode. I'm throwing. Anna, no nade, no sleep. Manard, t'as shatter, beware. Brigitte, are you ready for a stun on the rain? Tombrez est out of one. Stun rain. Achille, shatter. When can you stun it? Finish. Rain bumped. Need help. Nice. Counter. Boom! Kill one! Hanzo low on the right! Dead. I'm crunching them, my friend! Vas-y, bon. Too dead! Hanzo dead, good job. Sorry low. Nice. Rain. Allez, on crève là! Press your rain! He has no shatter, I shield it. Il joue toujours son bras quoi. Holy shit. Dragon. Ok, thank you. Vas-y, Ren, still. Quoi? Hanzo in the back. C'est quoi ce Hanzo de merde qui flanque? Hanzo flanking again. Putain, mais c'est débile. Qui joue Hanzo comme ça? Le truc est tellement fort qu'il peut planquer. N'a aucun sens. Il est relou, Hanzo. Ah, il est vraiment ultra relou quoi. Ultra relou. Il est content, il flanque. Group up and ready. Brigitte, you need to keep watch of this Hanzo. Yep. Brigitte, are you ready for stun shatter this time, please? Yes. Go. No shatter, very soon, very soon. Hanzo is gonna flank again. A shatter. Ah, they're all purple. Nice one, team. Allo Hanzo kill me. You're on me. Sombra on me. C'est tellement relou. Ah, vous pouvez le faire. Sorry, one. Can do it. Let's go, boys.
Nice, you have this. Pilote, pilote, pilote. Yeah, que, pour l'instant, nice. Les reines m'ont pas passé un seul shatter de la soirée là. Ah bah là, je te sens chaud patate, mon cher Ethan. Toujours. Same old Ethan. Là, c'est cool. Ok. Select your hero. Can we have merde. Des mutes là. I can play Bridget or Mercy if you want. Brain binds. C'est Waze de Shatter dans une graviton. Ça dépend de la situation où t'accuses en fait. Il faut pas cadder dans un graviton, sauf si le fight est vital, overtime, ou point qui va être cap, et ainsi de suite, hein, vraiment à débloquer. Et si tu veux sécuriser les kills, là tu peux cadder dans le Shatter. Pas toujours. C'est à toi de jauger après. Faut que tu sois sûr de que ce soit worse. I'm gonna go May. Ça m'arrive, hein, mais faut vraiment que ce soit. Lucio or Zen is fine, but Lucio, if you can go Zen, I guess it's better. Ah non, j'ai pas oublié l'overlay, il est un peu cassé en ce moment, faut qu'on le réduise avec Popo. Trop gros. Vous voyez pas les trucs après, surtout sur haut. Oh. Non, je reviens. Those plaster shots are purple, dude. Merci Kerweran pour le reset de 7 mois. Check it out, dude. Merci Disney, Jolly Roger, merci Raindance pour le reset de 3 mois. Salut Alpha, merci de rendre mon année de concours de 6ème année de médecine plus agréable. Bon courage à toi l'ami. Pas mal de potes qu'on fait ça et c'est pas le plus simple. Merci à toi l'ami. Baguette m'appelle. Merci au du Chaos aussi pour le reset de 17 mois. 17 mois que je fais semblant d'être à beau à coup de prime, je dis rien. Ça passe encore 17 mois de plus au moins. Un malin toi, tire à loin. Alors, merci à toi pour ce super bro. Allez. Ah non, on a chiré, c'était des shields. Des flex. Ok, Echo Shield Little. Widow. There's another on the left top. Oh! I'm gonna wall the Rhine. A shield. Punish Rhine. Hands on the left. Hands on the left side. Zeno. There's a goblin in the back. Anshozem. Hands on the right side. You right, I have a pick. Put our shot. Perfect shield Zarya, hand dead, I have shatter coming. C'est tout. Tu venais t'aider, enfin j'ai vu que t'étais dans la merde. Ah c'était parfait, t'as, parce que là j'étais vraiment dans la merde. Je voyais que ça pue, ouais. Ah t'as déjà ton shatter. Ouais. C'est ça que j'aime bien avec Mei, c'est que quand ils prennent un pink, en général le Rein il est plus agressif et tu peux plus le jamboniser. Bah grave. Nice boy. Nice pick, boy. Ryan is top, top left, Ryan, top left. Oh, bump me, on va bump la fire là. Be aggressive with Ryan, don't fear him. Tell me when they drop. They drop. Dragon's from right. Anzo on the right. I sleep. I'm debuff. Full tar charge, Ryan. He missed, so I pin Azaria. I can rest our then, if you can kill me. Touch Shatter. Perfect. Oh fuck, her Anna. On point. I shield the sleep. And Zen, top left. Après Shortana, she's low. Thank you for the rest. Don't greed Zarya. 2 minutes, we can yeah, do it. Yeah, careful, be careful. Watch out, come back. Wait for the Hanzo. Ah, je sens qu'ils vont ruin en fait. C'est dans ce genre de moment où ça ruin. Ouais, ça s'excite. Je te dis dès que je peux le chat. Désolé, je suis en pleine enquête. Sorry. Dis-moi quand tu vois le casse. Mais là, ça shatter. My back. Okay. I shoot our shatter. On the left side. Full brain avec le patate. You can do it. You are better, guys. Go. Yeah, Nikki. I have another shatter for me. Nice. Let's go, dude. Nice, Crevezem. Crevezem, okay. Putain. Ok, I'm back.
Pour le shield quand même, tu le fais au son ou la frame. Les deux, en même temps. Le son et la frame. Et le feeling aussi. Are you ready, boy? To do the dragon strike, boy? Yeah, boy! You ready to wall them? Right side, attache derrière. Nice wall, perfect wall. Oh, voilà, le combo qui te voulait de tout, quoi. Toute la death. C'est dommage, c'est un combo qui soit aussi fort. Et ouais. Un petit peu le nerf. On avait pas de transcendance après, donc. C'est exact. Ah, on va les hall. Let's go, guys. Mais ce qui est triste, c'est que même le wall de Mei, il arrive pas à sortir du dragon, quoi. Alors là, grave. Le dragon, il était trop haut. Le wall était beau. On a top right, she grid. Killer, killer. Anzo in the back. Come back, Zarya. Anzo in the back. Ah non, non. Regen shield, little. Oh fuck, I'm gonna die, help. Ah shit, they are all here. Fall back, guys, fall back, fall back. They are all on top come of back. You guys. Come Zen, come Zen. You're not at Anzo. Holy shit. Anzo is above you guys. Ah, c'est. Hello. Okay, okay. Shield regen, shield regen. Nice pick. Nice. I sleep. Anna is still flanking. We I miss Punisher. I can maybe rest him if you can keep him. I go on top. Well, yes, we miss Punisher now. Widow to jump. Punisher, like the Marvel series. Go. We have no Widow. I sleep. Hit me, you right on front. I have what? Find the ground. Find the ground, you can use it. Behind you. Hello? Anzo's one, Anzo's one. He's not over. Got him. Yet. See the rain? Hitched it. I can rest. Oh, I'm shattered. Shattered one. Good job. Ryan one. Shit. Elle aime mon slip là, non? Tant qu'elle a bien ma grosse box. Ouf, le coup de marteau l'a dépité. Don't heal, I'm trying my ult. They have a torb now, dudes. Ah, ça c'est tilt. C'est tilt, ma friend. Ils sont en train de tilter, les pauvres là. Et Toto. Rain, sorry, up right. Rain has shatter. Biver. Oh, nice roll. Fuck. Ah, c'est ok. Il missed the dragon. Oh. Drunken dragon. Good for us. Lee Rain, guys. Tiens! Nice, John Wick. Where's he low? Ah. Oh, no, no, la texture a décidé de pas prendre le KD ici cette fois. À la fois j'ai des KD ici, mais bon. Oh, bon. T'as retouché la nain. Il give up le Rain, il en peut plus. Hein. Ah, je le vois. Là il dit JPP, là je. Delay him! I told you, we will do it. Ah, je pas sur le. Ma plus le delay. Don't die, Zarya. Oh. Yes, Shatter here. Perfect call. Y'a rien en fait qui arrive sur toi donc perfect wall, mais en fait c'est juste que. Ouais, mais moi j'ai perdu wall. Guys, bah you did a great job. You are like Steve. Steve, yeah. J'arrive et je vois Alpha T-Bag. Ah, je suis désolé, les Anzo, j'en peux plus. Hein. T-Bag, dès que je vois un Anzo Golden Bow, je le T-Bag hein, quand je le tue. Hein. J'en peux plus de ce perso. Hein. Ouais, mais c'est allez moi, ah putain, et pourquoi on regarde ça? Pourquoi on regarde ça, JPP? J'en ai vu au moins 45 depuis que je joue cette saison. Non, c'est vrai qu'en plus on a fait une def super sexy et hop, un combo basique. Mais bon, c'est vrai. Bon après, merci. Non mais après bon, ils étaient censés win sur ce combo parce qu'on n'avait pas de trans. C'est juste, oui. C'est unfair quand t'as une trans et que tu meurs quand même quoi. Ouais, là, oui. Il faut un compte John McClane pour Locke. Un compte Martin Riggs pour Nanak. C'est quoi Martin Riggs? Qui Lui, je connais pas par contre. Hein. Martin Riggs. Martin Riggs. Attends, je vais regarder. Martin Riggs. Celui-là, je le connais pas par contre. Hein. Bah, Jason Bourne ou quoi? Ouais. Ah! Attends. Martin Riggs. L'arme fatale. Okay. Ah, c'est l'arme fatale. Ah, oui, c'est Gibson, Matt Gibson. Oui. Ah oui, en effet. Mais ça fait longtemps, j'avais ça. Ah, mais c'est ça le problème, c'est qu'il faut que ce soit des noms que les gens connaissent. Déjà, Ethanon, c'est compliqué. Il y a beaucoup de gens qui connaissent pas. Mission Impossible, ouais. C'est le connant du film, quoi. C'est ça. Reviens. Merci Flush pour le resub de 5 mois. Merci à toi, l'ami.
Merci Busraf pour le subprime. Merci Sunrise pour le resub de 7 mois. 7 mois nani. Nani. Nandato. Merci à toi, bro. Merci Italic pour le resub de 4 mois. En espérant que la scoliose l'était pas. Je m'en suis parmi, hein. Je vais être honnête avec vous, je m'en suis parmi de cette scoliose. Hein. Je m'en suis vraiment parmi. Les vrais sauront. Les vrais sauront. Merci, merci Céline pour le reset de 3 mois. En espérant encore plus de bons casts pour la World Cup. Ah oui, j'ai hâte aussi. D'ailleurs, potentiellement un truc de ouf qui arrive là pour les finales Overwatch League. Je vous en parlerai bientôt. Mais ça devrait être stylé, j'ai très hâte. J'en pleurais. Ah ouais, non, c'était dingue. C'était incroyable. Incroyable. Merci Zafodev pour le resub de 3 mois. Merci et continue comme ça, Alpha. Merci, bro. Merci à toi. Merci In Battleship with Rust aussi pour le resub de 23 mois. Bientôt 2 ans pour In Battleship with Rust. Du bruit. Merci, bro. Bonsoir, comment va l'Empereur et le Teutonique du Sud-Ouest? Bah, ça va. Ça va bien, ma foi. Aujourd'hui, c'était cool. Vous avez bien souhaité les fêtes des mères, les copains? Aussi, c'était important. C'est important, ça, de ne pas oublier. Merci en tout cas aussi Nagami Live pour le subprime. Merci Hope du Chaos. Merci Chipsy Cory pour le sub T1. Bienvenue à toi. Oui, oui, tout à fait. Ah, parfait. Vas-y. Tout le monde a souhaité la bonne fête des mères, donc ça c'est bien. Et ouais. Only on pourrait avoir une petite King's Road, tiens. En même temps, je l'ai pas eu moi. Qu'est-ce qu'elle fait cette ORG? On m'a dit ça, t'as Alpha qui arrive dans le dos. Bonjour. Moi je me barre en échauffement. J'ai un mot à vous dire, bim. Pas de quartier en échauffement. Ce sera à Paris la World Cup Overwatch. Oh, les qualifs, il y a des grandes chances que ce soit à Paris, ouais. À 99%. Après ce sera Los Angeles la phase de comme d'hab, enfin à la BlizzCon quoi. Est-ce que quand tu cadais, tu tentes de cadé quand le Ren est en face et Shield Home. Mec, j'ai sur Yukan la May, elle a disparu de la map. Ah, si tu l'as vexé en fait, vas-y aussi dans l'une bombe, je m'en vais. Rentre chez moi. En fait, Rokoto, plus tu montes en niveau, et plus les Reins vont s'y attendre au cadet de face. Donc si tu fais un cadet de face sur le Ren, il faut le surprendre. Un 180 cadet, j'en fais des fois. Par exemple, tu vois, je te montre sur mon écran. Tu fais genre de taper Alpha là, tu vois, John Wick. Et d'un coup, tu te retournes et tu cadets. Ça marche très très bien, même à niveau top 500 GM. Et sinon, c'est déconseillé de cader un Ren de face si t'es sûr qu'il a son shield quand même. Si ouais, j'aime bien pour forcer un mec à cader, faire de l'attaque auto au cac et faire genre je tape. Et cancel au moment où. Juste avant en fait. Ah non, c'était pas ça la question. Il voulait non, savoir mais, oui, ah. Mais moi je dis juste que j'aime bien faire ça. Ah d'accord, ok, je croyais que tu voulais argumenter par rapport ah, à non, ça. Ah non. Non, non, je comprends. Oui, bah oui, ça aussi c'est bien, c'est viable. Now entering the temple of Anubis. Allons-y. Je viens à la Japan Expo cette année. Non, je serai pas à la Japan Expo, Obi. Bah là, encore une fois. Yo, guys. Sup. Let's win. C'est mieux nourrissant un côté H ou Rein. Oh, Rein, surtout dans la méta actuelle. Hein. Rein. Par à part contre, sur Ilios avec le puits, quoi. Et sur Lijiang aussi, tu peux. Pas Lijiang, sur Népal. Tu peux la sortir. Pareil, hein. Sur toi, éventuellement. Oh, man, how are you instead of Hog? Sorry, what? How about Zarya instead of Hog? I'm shit at Zarya. I can either Mei or Rodog. My Mei is good. But if one of you DPS guys can play Zarya, then that's oh, we can good. Also play main instead of a second tank. Yeah, let's do it. Après, c'est pourri ta Zarya. La fois, on est bien. Ouais, mais. Il y a une combinaison de elle est pas terrible et de. J'aime pas la jouer sur cette map. Mm. Et de. J'ai envie de jouer autre chose. Ok. Il y a plusieurs choses. Rip, t'as loupé le saut. Je te l'ai dit que possible le chat là. Beaucoup de questions, mais on est en pleine ranked. Est-ce que je vais à la GA Occitanie? J'y serai le dimanche, je passerai le dimanche. D'ailleurs, peut-être que Trauma y sera, je sais pas. Il y a moyen, ouais, il y a moyen. Faut juste que. Jouer avec le taf pour le lundi, du coup.
That's 3, 2. The brain. Are they going Widow. Right or left? Team life. They're going main. Life, in your rain, guys. Hello, guys. So we don't miss you. Good job. Ah, damn. Lui, il y a un Macri, quoi. Counter charge rain. Lock him, finish him. Mimim, you rain. Thank you, Anna. Ah, c'est raising. Ah, ça fait chier. Merci, half. Je tentais un nouveau positionnement, ça n'a pas marché. There is even someone. Nice. Hello, dead. Juste défensif là parce qu'ils sont. C'est oh, mort. Diva sleep, Diva sleep. Hello. Macri low. Vous pouvez pas aller à la charge de la Diva. Oh, ça ouais. I got nano. Macri is very angry. On the left. Kill him. Yeah, go for them, go for them. Yep. No, don't go. T'es tout seul, bro, t'es tout seul. Yes. No, don't go. Voilà. Et regarde, tout seul. Ah, good job. Non, mec. Bro, we trust. You alright, sir? Ah, je me suis good job. Il est still là, Wado. Diva, to the left. Ah, we lost a Zen. Nice, we lost a Widow. I'm feeding on Rain and Macri. Develop. Can you wall Zen, Rain? Ah! Rain low. Je joue un jeu dangereux depuis tout à l'heure. Oh, damn. Il dit de. J'entendais pas la Yellow Shard. J'entendais ça à droite. Really? Il est low, Rain low. Il a Waze, ouais, il a Waze, ce qui me semblait. Il est revenu vers nous le back et du coup il est mort. Oh, il a pris sa pastille. I'm back. Je joue pas assez safe là. Bon, je vois ce que je fais. 1 minute. Can do it. Enemy contact. No. He doesn't have shot about it. Go. Yeah, go. Push him. Ah, there's someone. Good job. Block, merci. Oh, nice, Alpha. Ah, reste behind us. Come back, Alpha. Yeah. She has a mega. Ah, tu fais le fou. Je suis d'accord. Merci. Je recule. Reste behind us. Hello. You can full hold, hein. Don't grid. Rain will have shatter soon. Il diva. Counter charge Rain. Ah, damn. Dump. Renno. C'est bon. Good job. Ah oui, t'as crevé les jambes derrière toi, mais parfait. I'll get it. Good job. Vas-y, montre-toi. Aimi when you can. Idiot. I have to protect May, but aimi after please. Voilà. Renno shatter. Tir de suppression. Nice, Vassas. You are a real jackass. Ok, go on Rain. Counter charge him. You will shatter after. Oh, I canceled. Boom. There's no Reaper. Press love. I kill Rain. I make Zen use hands. Zen. To the right. Rain is charging. Just incoming. Il me, il me rain. Merci off, mec. Rain pin. Wouh. 30 HP, il me. Je sais que c'est fini, mais good job. Oh la hold de Rian Star qu'on a fait. Ouais, GG, mec. GG. T'as un bon side. Ouais. Ah, tu vois, je pense qu'avec Rodog, j'aurais beaucoup plus subi. Mais nice. Tout à l'heure, je joue vraiment pas assez safe, c'est mon gros problème. Un truc que j'aime beaucoup à faire avec Mei en attaque, c'est juste de mettre un wall devant leur petite butte sur laquelle ils sont en def. Comme ça, ils peuvent plus tirer dessus pendant que je traverse, t'es tranquille. Ah, beaucoup oui, moins oui. De pression en fait. Je vois. Pas mal ça.
Quel moment le plus idéal pour shield un KD, la voice line ou l'animation? Les deux, c'est vraiment les deux qui vont te permettre de shield le KD en réflexe. Ouais, ça part vraiment en même temps. Ouais. Just rush point. Merci Babat. Je vous remercie dans une seconde, je veux pas me mute en plein game. Il joue bien notre chacal aussi. Ça, c'était cool à voir. Ouais. Comment je fais pour changer la vue du rain? En fait, sur console, à mon avis, c'est du coup marteau et shield en même temps. Mais sur PC, tu fais clic droit, ton shield, et tu fais clic gauche en même temps. Et hop là, il y en a plein qui le connaissent pas, je le vois sur mes vidéos, les gens commentent comment t'as fait. Passez ce savoir autour de vous, hein, c'est rien de ouf, mais ça aide. Clic droit, et après le gauche. Hop là. C'est tout con. Et tu fais tourner de la souris, bien sûr, après. C'est le figurant, moi. Hi. Mais il fusionne qui me regarde. Hello. T'as vu Dallas qui gagne contre Fusion? C'est ouf hein. Franchement, la méta leur va très bien, ils ont step up, ils se sont Ah bah très... Brigitte Oui, mais les autres aussi ils l'ont. J'allais te dire justement la Brigitte qui est pas. Très bonne. Ouais, il la joue pas les autres Brigitte. Personne s'est entraîné dessus j'ai l'impression. Mais en plus il est brin avec quoi, il se fout dans les angles, il stun. Ouais, c'est un joueur malin Mickey hein. Ouais. Qui est très malin. Il a une super Brigitte, rien à dire. Ok, let's go guys, it's our game. Right. Nice wall. Bonsoir. Point. Ah, oh, nice sleep. Stab, they rush me. Ok, just regroup, don't stress, 3 minutes. Ah, I got 2 picks. 2 picks. Yeah, they don't have the ring. They don't have the ring. Ah, we lost Widow, sadly. Ok, ok, just regroup, just regroup. Come back, Lucio. Regen shield. Ok, wait for the others and go. We have time. Let's go! Il y a un pick, nice go, pick, go, man! Go, go. Oh, la Widow, elle m'a sauvé. Go main. Ah, Zerez. Genji, on y en a. Nice pick. Ah, j'ai l'impression d'avoir plein d'insectes qui me sautent dessus. Ah, c'est ça. C'est tout leur léger. We got picks. Genji a fait massivement le top. Moi, je me suis farasse de tous les côtés, ça me sautait sur la tête. GG, guys! Bon, on avait fait le taf en def. Ah, le pauvre McCree, j'ai mis un headshot. Il vient vers moi, il avait genre 1 HP. Et il a pas eu le temps de me tuer, j'ai mis un petit tic de glace qui a suffi à le tuer. Ça faisait trop de la peine, genre. Ah, il fait trop froid. Nice. Attends, je remercie Vito. C'est gentil, merci pour les messages les copains. Ouais, il a pas réussi à me mettre des dégâts, c'est vrai. Il aurait pu me tuer clairement. C'est assez chaud, de ce côté-là sur la game, c'était assez chaud ce moment. A Tomb Dead, exactement. Ouais, j'avoue, un POTG qui n'était pas de Hanzo, Lucio, une première mondiale. Mondiale, je pense. Hein, on le disait, hein. Un POTG qui n'est pas de Lucio, qui n'est pas de Hanzo mais de Lucio, je crois que c'est une première mondiale sur cette saison. Je pense qu'on peut le célébrer, l'envoyer à Blizzard, encadrer le screenshot. Ça arrive jamais quoi. Après il y avait pas de Hanzo je crois dans la game. Enfin j'en ai pas vu beaucoup. Si il y en a eu un mais bon. Alors. Il y a un intérêt à geler le shield de Rain. Non, en fait ça lui met juste la pression, il peut pas enlever son shield quoi. Donc en vrai quand tu freezes un Rain. Garde le freeze actif, genre il est slow pendant un bon moment. Et s'il met son shield, ben ça damage juste le shield, ça ne slow pas Rain. Juste ça. Par contre, ton ulti traverse le shield. Hélas. Heureusement. Oui, Otariozo, je te confirme que il faut pas te baser sur ce que tu vois dans les games. Parce que là on joue en master sur les smurfs, mais on joue aussi en grand master. Et même si tu joues parfaitement avec ton Reinhardt en platine, et que tu dis faire exactement les mêmes choses. Il faut te dire aussi que les ennemis qu'on affronte sont aussi plus forts en face que des platines. Il faut que tu prennes les deux choses en considération.
Mais je doute pas que tu fasses un excellent travail. Ah, ah oui, d'accord, elle a utilisé très bien. Très impoli, tu vois. D'ailleurs, j'en profite, là je le dis vraiment pour les deux chats. N'oubliez pas, quand vous voyez des mecs jouer en tournoi, type League, Contenders, LAN et tout ça, des fois vous vous dites, putain, là ils sont nuls, ce mec est trop fort, enfin bref. En gros, jauger les niveaux de ce que vous voyez sur des streams, sur des vidéos, c'est difficile parce que vous pouvez pas le comparer à votre propre expérience ranked. Par exemple, un Zen qui va se faire éclater la tête en League. Hein, faut pas oublier que le niveau des mecs qui vont le chase, les DPS, ce sera des profits, ce sera des flétas, des mecs absolument monstrueux quoi, tous les noms de joueurs accents que vous avez en tête, je sais pas, des pines, enfin bref, vous avez compris l'idée. Et en fait, quand un mec vous semble nul, parce qu'il se fait chain farm, c'est pas forcément qu'il est nul à chier, c'est juste que le niveau des mecs en face aussi est extrêmement élevé. Et j'en parlais avec des anciens joueurs d'équipe de France, donc de l'an dernier, qui me disaient, le niveau en ligue est déjà bien supérieur à ce qu'on voyait dans la Coupe du Monde 2017. Tout ça pour vous dire qu'il faut mettre ça en perspective. Des fois on se dit, ouais, là il a fait un move de platine, ouais, ça peut arriver, ah, hein, oui, c'est oui. Mais bon. Je le vois sur le chat Twitch, ouais. Ça changera jamais ça. Hein. C'est comme les mecs qui regardent le foot dans leur canapé et voilà. Qui disent, bon, il a fait de la merde là. Bon, quoi. Ah, en gros, ouais, il faut, je pense, c'est comme on a dit perso, après vous faites comme vous voulez, mais un peu d'empathie pour les mecs qui jouent à un niveau monstrueux et qui affrontent aussi des mecs monstrueux. Ça n'empêche pas que les mecs des fois jouent mal, attention, c'est pas ce que je dis. Hein. Ah oui, mais. Bon après, c'est vrai qu'il y a des moves où en fait tu vas pouvoir te dire quand même le mec avec tout son entraînement pourquoi il a fait ça quoi. Genre c'était le truc le plus débile. Bien sûr. Oh le sauvetage. Oui, nice. Le Genji. Faisait Nemp en plus. Trifil et platine. Il est trop. Bah donc Trifil par exemple, voilà, c'est un exemple particulier. Trifil, il est vraiment pas exceptionnel et en plus il est même pas cool avec cette image, j'ai l'impression pas. Il leur met des 20 quand ils veulent tirer et tout. J'ai... Ouais, c'est. Ah. Ah non, c'est comme ça pour le coup, je l'avais vu là. Je me suis dit, le mec d'où il prend quoi. De une, il a pas un niveau exceptionnel vraiment par rapport à la moyenne ligue. Et en plus, derrière son pote veut le tir, un vent quoi. Genre, mec, c'est ridicule quoi. J'avais pas trouvé ça sympa, ouais. Sur c'est ridicule, surtout que tu sais que t'es filmé, mec. Genre, ouais. Non, clairement, ouais. Moi je lui aurais dit, are you 12? Je lui aurais répondu. Non, j'avoue, ouais, c'est un peu. Voilà, moi c'est juste un petit conseil comme ça. Après, chacun a son point de vue, sa philosophie. Mais moi je trouve qu'il faut avoir de l'empathie. Hein. C'est comme quand des mecs disent sur un chat qu'ils sont pas d'Overwatch, enfin qu'ils sont pas joueurs d'Overwatch, ouais, Overwatch c'est no skill. Mais dans ce cas-là, si le jeu est no skill, bah tu peux aller en ligue alors. Parce que t'es meilleur en général, c'est les totos débiles de CS qui disent ça, qui se prennent pour des oufs. Mais moi j'ai une réponse immédiate pour ça. Tu dis au mec si c'est no skill, c'est très facile. J'ai toujours dit ça mais au mec de WoW dans les arènes et tout. Et en général, ils répondent plus. Tu lui dis si c'est très facile, bah dans ce cas-là, t'es le meilleur joueur du monde de ce jeu, puisque c'est nul. Donc tu vas en ligue et tu deviens une superstar. Ah. Et si tu peux pas, alors c'est que le jeu n'est pas si simple. Et là, le mec, silence radio. Silence radio. Ah, la procance. J'espère que c'est pas le bug. Des fois, ça reste là-dessus. Je suis obligé. Ah putain, c'est ah, oui. Oh. Je vais relancer mon jeu. Merde. Lance mon jeu. Quitte aussi. Hein. Allez, je quitte. Oui, tu peux être global sur CS en étant Gold Overwatch, mais en fait, si t'es global sur CS et que t'es Gold Overwatch, c'est que tu es. Je pense que c'est que t'as tout dans l'aim et zéro dans le brain, en fait. Je pense vraiment que c'est ça. Il y a moyen, ouais. Parce que tu peux pas être Gold sur Overwatch en étant Gold sur CS si t'as un minimum d'esprit tactique, stratégique, que tu sais t'adapter. Que si tu t'attends à être Grandmaster juste en cliquant sur les têtes des mecs en jouant McCree, non, ça marchera pas. Ouais. Ça ne marchera point. Comment s'entraîner au KD débordement? La pratique, Phoenix, il n'y a pas de secret. Mais après, les KD débordements, actuellement, il n'y a pas de Lucio. Plus difficile d'en faire. Mais la pratique, il faut que tu ranquettes pour ça. Il n'y a pas de secret. Il n'y a pas de secret, hein. Si tu veux t'améliorer sur ce jeu, tu ranquettes. Ouais. Je suis encore tombé sur des meubles. Non, on a gagné deux games d'affilée avec un full hold. Tranquille. Hein. Filtrant même, j'ai envie de dire. Parce que bien sûr, on est global sur CS en cliquant sur des têtes. Non, c'est pas ce que je voulais dire. Mais je pense que... Parce que j'en connais certains des joueurs de CS qui étaient chauds sur CS, mais qui sont pas incroyables sur Overwatch. Et j'avais vu des Watch and Learn. Dans des Watch and Learn, j'avais reçu des gameplays de joueurs de CS. Donc pour le coup, je peux parler en...
parle pas simplement en faisant des suppositions, là je le sais. J'ai vu beaucoup de gameplay et dans les mails de ce que m'envoyaient les personnes, elles me disaient bah, sur CS, voilà, mon expérience sur CS, j'étais Eagle, j'étais ça, enfin bref, ils me donnaient leur rang. Et je voyais le gameplay, et les mecs en fait, bah, ils appuyaient jamais sur tab. Ils prenaient leur pick, leur Macri, leur soldat. Et il cliquait sur les mecs et le positionnement était pas mal, mais en gros, il switchait jamais. Je les voyais jamais switch. Et beaucoup de joueurs CS qui me disaient dans leur mail qu'ils étaient joueurs CS et tout, justement jouaient comme ça. Et ça m'a vachement surpris. Et je me suis dit, putain, en fait, c'est juste qu'ils ont l'habitude de jouer à leur FPS comme ça, compétitivement. Et sur Overwatch, du coup, ils ont pas ce réflexe du switch, du changement de rôle, etc. Donc, possible. C'est assez spécial. Il y a des gens qui sont excellents à un jeu et pas forcément à un autre. Hein. T'as des brutes de Quake qui ont pas été très très bons sur Overwatch. Et t'as des mecs puissants sur Overwatch qui sont nuls à chier sur Quake. Je pense que voilà, chacun a ses affinités sur le type de jeu. Ah oui. Puis, bah, tu regardes, il y a des pros de LoL qui sont devenus très bons sur Overwatch aussi. Regarde Gamzu. Gamzu, ah, chez dire. Boston Uprising, bah, lui il était joueur pro sur LoL. Hein. Je me l'ai enlevé, j'allais parler de Gamzu justement. Ouais. Le mec il est passé de LoL à Overwatch, il est en ligue, il est solide quoi. Et ouais. Salut Germain. CSGO c'est basé sur le clutch, Overwatch c'est plus sur le teamplay, c'est vrai. Mais ce que j'aime bien dans Overwatch c'est que du coup le clutch n'est cependant pas exclu. Tu peux quand même clutch sur Overwatch. Mm. Et ça c'est ce qui fait vraiment c'est ce qui rend le clutch encore plus beau je trouve. Ouais. C'est tellement dur, quand tu y arrives c'est vraiment stylé quoi. Oh bah écoute, on va continuer d'augmenter le pick rate. Hein. Bah oui hein. Ouais, mais ça me va, hein. Ça compte pas, il est coréen. Ouais. C'est un peu vrai. C'est un peu vrai. Pas raisonnable, RM10. Il est bon Marine Lance sur Overwatch. Ouais, ouais, il est bon sur SC2 et Overwatch. Voilà, un bon exemple de mec qui s'est adapté. Ouais, ouais. Marine Lord, oui, c'est vrai. Ouais. Lilbo, Marine Lord. Lilbo et Marine Lord, ils viennent de StarCraft. Quoi. Je rigole. Le truc frustrant quand t'es rain. Locke aussi est coréen. Non, Locke il est pas coréen. Locke il est chinois. Il est lituanien. Non, lituanien. Non, d'origine. C'est un chinois de Lituanie. Putain. Rien à voir. Je crois qu'il avait dit Chine et. Non, il est pas chinois. Il est pas chinois, il est philippin. Non mais il avait dit philippin chinois si je me trompe pas quand on était à la BlizzCon. Me semble. Moi je sais que il est mi-français, mi-chinois. Mi-français, mi-philippin. Il me semblait qu'il avait du sang après, grand-mère ou... Après peut-être quoi, une chinois. Grand-mère chinoise, je sais ouais. pas. Mais en tout cas, je sais plus. C'est surtout philippin. Surtout philippin, ouais. Je me rappelais pas, ça c'est ça, philippin. Mon skin préféré sur Rain, Valderich. Même si en ce moment je joue pas trop. Le câble de ma souris qui se fout sur le mauvais côté de mon bureau, ça me rend dingue. Ah, c'est relou ça. Bah, t'as un câble braided ou pas? Parafara, guys. Braided. Ouais, câble tressé, tu sais. Laisse les push, hein. Vas-y. Let's them push. Oh, nice. Too dead. Achille, vu. Ah, ouais, slow. Presque un cadet. Doris Salon. Ah, y'a Doris Salon. Je suis allé la chercher du bout du marteau celle-là. Respect. Moi j'ai un cadet quasiment. Tu veux que je les trappe encore là ouais. Mimi. Holy sh. Après il crevait. Hein. Tant d'HP j'avais. Thank you, merci. And, Alright, still around. They have Babouin. C'est pas top leur compo, franchement. Wow, non. C'est un bel ult, ça. C'était un très bel ult. Au-dessus de la tête pendant le KD, je sais plus. Je swappais sur une Widow. Quoique j'ai un Blizzard bientôt, je vais utiliser mon Blizzard. Il y a le TP. On est trop loin là.
Ah, tout fort, ouais. C'est quoi cette épée? Trop loin. Dommage, on aurait pu clutch TP, mais... Let's try to hold them at the choke point. Go, go, go. Nice. Go, 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 go. Ah, tu l'as fait bouger. Il est mort. Il décale comme si t'as pas de merde. Farah, Farah, get the rain, get the rain. J'ai switché là, du coup. Ah, il a déjà swap. Il a déjà swap. Du coup, je vais prendre un zen. True self is without form. Il se fait tuer par une Farah. Fall back, everyone fall back. Ouais, la Farah nous pourrit. Voilà, Wouah, putain, fait chier. Enfin, là, on est dans la sale situation, là. Dommage que personne n'ait compris qu'il fallait reculer quand Widow est morte. Ah, on a soldé Widow, ça devrait le faire. Hein. Et c'est toujours la même chose, hein. ils ont une ange en face quand nous, on n'a pas de ange. Ça, c'est trop... Pardon, yep. Me, top left. Sandpin. Ah, dommage. J'ai pas pu m'arrêter à mur, il avait encore le jump. Au moins, j'en fais perdre du temps. Ça va peut-être vous permettre de passer. Enfin, de def plutôt. Non. Can you swap to Mercy after you use Nano, Anna, please? Repetition is the path to mastery. Aussi, l'abruti qui switch sur du DPS alors qu'il joue à Symmetra, ça a tendance à m'agacer. Hein. Ça a tendance à fortement m'agacer. Mm. Ok, just regroup. Reyna Shatter. Ou Shatter, ou Shatter. Reyna. Push. Non, t'as mis, Emma. Moi j'avais calé tout le monde, mais t'as pas annoncé. Il y a une grave, ouais. On a team kill, mais. Ah, il a switché l'ange, c'est cool. Ah, j'avoue, Rome, dommage là. T'avais bien viré avec la charge, mais. Je voulais m'agripper à la fin pour lui faire perdre un max de temps. Et pas pu. Renaz, nos shatter. Y'a agressif. Rain Discord, Rain Discord. Rain no. Rain dead. Je vais agresser. Oh, mais il a ouvert. Oh, il a ouvert. Tellement babysit, Rain. J'ai plus reçu de heal là de Ana. On a couru sur moi littéralement. Dommage. We have 3 love, guys. Have you seen the pics? North Town, 3 love, what the fuck? Il faut regarder la compo, hein. Et j'avoue, what the fuck is going on? Okay, so first Symmetra switches to a DPS, and then someone goes Ana when we already have two heals. Voilà. What the actual fuck, guys? C'est que ce bordel. C'est quoi ces tardes avec nous là? Incroyable. 3 heals Brigitte, tu peux, mais là avec ça. Non, mais on a que des main heals ou quoi dans notre team? Mais même pas, ils sont juste débiles en fait, c'est incroyable. Never heard you say that. Did you say that in vocal or chat? You shouldn't have gone healer, man. You shouldn't have gone tank, even if you're not good at it. We were getting snowballed. It was a terrible idea to try to switch position. Like mid-fight like that. The world is worth fighting for. Le mec, il écrit dans le chat. Rosaria. Ah oui. Ouais, c'est vrai qu'on va le voir. Use vocal, please. You have no mic? Pourquoi? No mic, génial. Ah. Avec des amateurs. Pour Overwatch, c'est pas pratique. C'est assez frustrant, quoi, en master, d'avoir des mecs comme ça qui comprennent pas comment ça marche une compo. Ça va, la compo, en vrai, c'est pas mal. Ouais. Moi, y'a moyen. I keep the peace.
On ok, let's go, guys. Parce que c'est vrai que j'ai entendu personne parler là depuis tout à l'heure. Non, on est que nous deux. Hein. J'avoue, faire ça master, nos micros, des compos à l'arrache, ils regardent même pas. Ouais, non, mais. J'ai l'impression qu'ils comprennent pas le jeu, les mecs. Quoi. Weekend. Même master. Weekend. Let's go, be aggressive again. Rain. The right. Left. Regarde. We are right. Ah, damn them. La brise vite. Vegetory size not the best. Mimi. Farah on me. Là, la Farah, il aime. Vas-y, le go. Ah, duel là-dessus. Hein. On est mort là. Non, je ne joue pas que Rain Roamer. I speak. Regroupe. Pour te sauver ou quoi? Ouais, 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 je me débrouille. Yeah. I'm on their backs. Ok, ready to go? Help, help, help! Push! Go push! Go with John Wick. Ah, damn. Il a Moira. Oh. Bump. Mille. Ah, et ma souris! Putain, je déteste ça! Elle me pourrit sur la pente, elle me stun 2. C'est main reine, ouais. Ah, c'est infernal! Hein? Putain, casse! Qu'est-ce que t'as? Et ma souris, loin. Mon cap de souris, il est horrible! Il n'arrête pas de passer derrière mon bureau, ça me fout en l'air mon aim. Merde. Allez, on est parti. Can you guys also do comms, please? I'm not hearing anyone. I call out stuff, please, thank you. We're playing use in ranked. Use please. We are in master, guys. Stick with us. Push, I'm gonna blizzard on point. Push. Ah, damn, the back. Go. I clutched, go. Go, I kill two. Oh putain, évidemment. I'm finished. Front. I'm on air. Farah, please, Farah. Farah, kill Farah, pharmacie. Notre Farah, elle voit flou. Elle voit flou totalement. Oh putain, elle voit flou. Allez, s'il te plaît, arrête de voir flou. S'il te plaît. Sors-toi les doigts. First. One shot. Allez, bloc, merci. Touche à terre. On va pas louer ça quand même. On s'est fait contester par une pharmacie par deux mecs. Wake up, guys. How we lose this? Notre Farah, elle pue la merde, mec. J'ai vu ce qu'elle a fait, c'est terrible. Elle est ultra nulle. Ouais, j'ai les 4 goals, c'est pas bon signe. Ah oui. Je suis full bronze, mais. Non, mais que ce soit le temps, quoi. Je veux dire, après, on s'en fout de ça. Ok, let's go. Oh, nice. Ah, nice. Gunpoint. Ah, let's go. Enfin, une com. Mimi. Ah putain, enfin. Mine. Ah, Farah tranquille, tu me tires sur la tête. Ah, y'a rien à faire avec cette équipe, ils sont vraiment nuls. Ça se regroupe. Voilà. La pharmacie qui conteste à deux parce qu'il tire à côté. La Pinzaria. Non, rien à faire là. On ne peut plus. Ouais. Pas de vocal, pas d'envie. Aucun désir de gagner. Ah là, on était avec des meubles. Ouais. Game meubles. Les meubles. La fameuse game meuble. Qui arrive de temps en temps. Tu sais que malheureusement je pouvais pas toucher la pharmacie évidemment en étant je en sais rain. Bien, je sais bien, mais moi c'est pareil, on est en mail, je peux pas tuer, je pouvais pas tuer la pharmacie. Ça mon problème c'est que si jamais en face on tombe sur des mecs qui nous connaissent, ils joueront toujours Farah. Et ça va être casse-couille parce que si personne ne sait jouer Widow,
ou Pharah, ouais. ou un contreur de Pharah, on aura un problème. C'est le vrai problème de fait que je joue beaucoup Mei. Ouais. Après, je pense pas qu'ils nous connaissaient, c'est juste que... Game Ikea. Bah... Non, on va les appeler comme ça, les Game Ikea. C'est les games avec game meubles. Ikea. Les mecs qui parlent pas, qui sont nuls à chier et qui foutent en l'air la compo. C'était du trop, honnêtement, sur la défense. Hein. C'est pas possible d'être débile comme ça. Hein. Tu go pas Symmetra pour ensuite go DPS. Non, tu go Symmetra, ensuite tu go heal. Et ensuite, tu go pas de DPS ou du tank à heal. Genre, non, tu ne fais pas ça. Juste non, quoi. C'est master. En fait, ce qui était hyper frustrant, c'est que je voyais la pharmacie voler au-dessus de nous, mais je pouvais pas les toucher avec le marteau. J'étais là, mais tu l'es, je me disais. Ouais, bah... Mais... Non, la Pharah, je l'ai vue, regardez, notre Pharah s'est fait dominer instant. Il y avait juste la pharmacie et vu que personne. Mais on avait une Moira, hein. Même Moira, tu sais, au moins tu grattes la hanche, tu vois. Je sais pas, tu fais quelque chose, mais. Ouais. Pas grand chose n'a été fait, heureusement. Ouais. Bon, ouais, après, même si les mecs sont pas à fond, on passe des bonnes games, c'est essentiel. Nous, on fait le taf. Bah, sur mon ult, j'ai tué deux mecs tout seul, hein. Genre 100%. Ouais. Non, j'ai tué deux solo tout seul. La Zarya en plus, hein. Bon, après, c'est Ferez, évidemment, appuyé sur eux, mais malheureusement. Ah, la frustrature de voir la pharmacie voler au-dessus de ma tête, là, comme des moustiques. Mon joueur préféré de l'Overwatch League, je crois que c'est Shadowburn. Ouais, moi, je crois que c'est Shadowburn, mon joueur préféré de l'Overwatch League. Ah ouais. J'ai toujours été un gros fanboy de Shadowburn, personnellement. C'est vrai, tu as toujours dit que tu l'aimais bien. I will protect the innocent. Pour moi, c'est un peu le joueur pro un peu modèle, quoi. Mec vachement assez humble, très sérieux, pas de travers, pas de drama, du skill. C'est vrai, moi, t'as raison. C'est ce que devrait aspirer à devenir la plupart des joueurs pro. Il a un bon état d'esprit, ouais. Hello. Bon, on voit plus trop. Je crois qu'il est ressorti hier soir, non? Ouais, il est reparti. Il a fait un round de folie d'ailleurs sur Lijiang. Malheureusement, ça n'a pas suffi. Ah, c'était ça. Chaud. J'ai pas vite proc, j'ai envie de cogner des gens. Je pense que les Shanghai Dragons feront une win pendant Overwatch League. Je ne pense pas s'ils gardent le rooster chinois. Ouais, il faut qu'ils passent full coréen s'ils veulent avoir une win. Ouais, problème de com et tout. Moi, d'ailleurs, ça marchera jamais s'ils gardent des joueurs chinois comme Freefield, etc. Parce que au niveau de la com, ce sera pas possible en fait. Et on sent que c'est une équipe qui ne s'amuse pas nécessairement en fait là. Parce que ouais. Quand tu vois notamment le petit move de Freefield, en fait ça en dit long quoi, tu vois. Ouais. Ça en dit long de voir comment les mecs ils se font pas de high five et tout, ça en dit long sur l'état d'esprit de la team, à mon avis c'est terrible quoi. Et je peux comprendre, hein. Moi honnêtement je suis pas en train de dire que ils font quelque chose de mal ou quoi, c'est normal, je veux dire tu fais que perdre, ouais. À un moment juste t'en peux plus quoi, ça te saoule, t'en as mais marre. Je sais pas si t'as vu Cass, mais justement Gregory a dit que leur traducteur, leur interprète il était pas là. Et ils galèrent depuis, ils ont même pas pu faire de strat, en fait, pour la saison 4. Ah oui. Mais c'est scandaleux, parce que t'as des équipes qui auraient pu avoir un slot Overwatch League, qui étaient ultra motivés et tout, et t'as Shanghai qui arrive avec l'argent, et boum, il y a un slot à Shanghai, et voilà. Moi, je trouve que c'est pas du tout cool pour des joueurs qui méritaient d'être en Overwatch League et qui avaient le niveau pour l'être. De voir du gaspillage comme ça, quoi. Juste, il n'y a pas de jeu, en fait. Il n'y a juste pas de jeu, quoi. Non, alors, c'est vrai. Certes, c'est pas aussi laborieux qu'au début, mais... On est à combien 0.32 0.34. Ils sont à 6 wins d'être à 0.40. À 6 défaites d'être à 0.40, quoi. Ouais, c'est chaud. But are we trying to triple support, or should I play DPS? Non, I'm gonna go DPS. Gonna go Mei. Oh non, Remdi, ça risque pas. Hein. Ah, mais tu trolls, parce que tu regardes. Est-ce que c'est. You could go mercy, that'd be perfect with. Attendez. NONI! Ok. Peek me, bitch. Yo. Le mec, il a une soundboard. Oh. Naruto-kun! Let's go, guys! Naruto-kun!
Go, 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 bien agressif, don't fear them. Doomfist. They have a Doomfist, right. Be careful. Zoom main, I mean. Who's behind? Don't me. Heal me, heal me. Push, 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 push. Yep. Oh fuck! Can you res me? Yep. Push right. Thank you. I'm pin. Ah, no wall. Heal me. Mine has char again. Push rein, push rein. Need some heal. Perfect, kill him, kill him. Nice. Be aggressive with me. I'm sure them. Are you alone? To that, to that. Hands on the left. Yeah, there's also more as well. Okay, qu'est-ce qu'il fait? Fall back, fall back, fall back. Guys, don't run anywhere. Untercharge the Doomfist. Anzo in the back. Anzo in the back, still. Kill the Doomfist. Push at her. Anzo behind, Anzo behind, please. I should dash it. Okay, même pas une part. J'adore quand la charge bug. Ah, il a bien joué. Non, Doomfist is killing everyone. Ah, j'ai fait de la merde. Faut que j'augmente mon volume, j'ai pas bien entendu. Donc. Ah non, ah non, pas fini. Ah, faut m'en passer pas. Ah, c'est où? On avait compris. Y'a l'ox. Yeah, I'm going Doomfist too. I think you should keep the Pharah. It's perfect against that comp, man. Yep. And make that was comp. Good. Keep Pharah, I feel like. Push, 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 push. Visit. Just rush on point. Wrench on point right now. I just shot Doomfist shot. Down combo. Ça va même le shield avec le dragon. Ah, Naruto! Point, 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 point! Oh, Naruto! Heavy clutch, Naruto! Naruto, là, il s'est cru dans la série, putain, il a crevé tout le monde! Oh, mais t'es ton, Naruto-kun! Are you the real Naruto? Naruto, ayo! Yole, yole, dasé! Tout le monde est passé. Oh, le génie! Yole, yole, dasé! Good shit! Oh, le génie! Il dit de very good job, Naruto. Incroyable, quoi! Proud of you! Yole, yole, dasé! So proud, Doomfist! Bon, bon, Doomfist! C'est tellement parfait avec la voice line! Damn! Ah! That fucking bitch is on me here. Oh, you shut up, man. Thank you. And you? Oh, bien la charge. On prend des bombes de partout, ça me bombe. Pour les charges et tout. Comment t'as fait pour garder le shield derrière toi, t'as eu du. Kick gauche et droit en même temps. I have Blizzard soon again. Let's do it, guys. Yole, yole, that's it. That's shit, quoi. Wait for me, wait for me. You going in? Go with Blizzard, after. Confist again in the back. Reno, Reno. Dragon? Renpin. Reno. Kill him. He got me. Oh, thanks. Lucia's still there? Pressure, pressure, pressure. Keep fighting. Oh, behind us. No, no, no. It's okay, it's okay. Ah, putain. On est qu'à des deux pour les sauver, mais l'Andre les a pris. Ah, il va falloir finir l'Andre. C'est encore l'Andre qui pose problème. Just icicling. I'm switching. Pour counter le Doomfist et tout, et Lorraine et tout, faudrait une Brigitte. Ult for Graf. Ouais, mais contre Lanzo, t'auras pas grand chose. Merci Ramzis.
Dans le chatter. Ren. I'm waiting a bit. Counter charge. C'est pas la seconde ça. Nice. Oh, je me suis chargé un KD gratuit. Il fait une fricadelle. Un beau cadelle. Happy feet, one more come. Conteste Lucien. J'entends le renard charger, ouais. Oh, le Reinhardt. Oh, he's bad. Bordel. Non, t'inquiète, Sanguinus, les abos, je les regarde pas pendant les games. Je faisais tes conneries avant et je me déconcentrais. T'inquiète pas, je te remercie juste après. My ult. Tu peux KD et Jult, ce serait trop bien. Il faut une logique pour le stun en vrai. Regarde ta shatter. Hein. Oh, donne. Oh my god. Donne jeu sur le shatter. Mille. Oh le KD. Don't face it. Don't face behind. Ça marchait. Je les stun pendant ça. Bonsoir. Reno. Ça fait deux fois en fait, Alpha, que quand le Ren vous KD. Parce que. En gros, je le KD dans son dos et il peut pas profiter de son KD. Ouais, c'était bien joué, hein. J'ai cru que j'allais crever. Parce qu'il n'ose pas me KD dans la shield, parce que j'avais shield tout à l'heure. Et du coup, il le fait sur vous, un petit peu. Et je le baisse comme ça. Oh my god. Ah, le combo, le bon vieux combo. Ils ont une Brigitte maintenant. Ils n'ont plus de Doomfist. Ils font ce qui signifie que la Pharah est toujours d'actualité. Ouais. On entend tout son clavier par contre, c'est ça qui est dommage. Maybe I can survive. Where does it hurt? Nope. Ah, damn. Hello there. I should do. I'm going Reaper. We don't have much time. Don't let us go. Oh shit! Heal! Fuck! Oh no. Shit! Sorry. Attends, I didn't t'es pas sur moi. Elle a pas son reste de dispo? Ah, nice. Okay. Ah, c'est un demi. Reno. Ah, il en a pas eu touché. Dame. Ah, fuck, I should have touched. Ah, dommage. Ah, c'était dur. Le switch m'a crié, il m'a surpris au début. Je pensais qu'ils avaient gardé le Hanzo. J'aurais dû switch. Il a bien joué. Chiant, le Naruto, on entend tout son micro, quoi. Il est rigolo, mais on entend tout, quoi. Prepare your defenses. Select your hero. Ah, je vais go May. Quel moi go Widow? J'avoue, M10. Avec la May, là, il y a moyen de faire le full hold. Ah, ouais, clairement. Let's do this. Ici. Oh, SL underscore Lucky pour le resub de 15 voix. 15 voix idiot, notre relation devient de plus en plus sérieuse. Écoute, tu vas te calmer tout de suite, Luck. Merci à toi pour ton resub. C'est très apprécié, merci, bro. Can you go Widow? Can someone go Widow? Yeah, I can go Widow, but I'm not sure about it. It's just to zone the Pharah. She doesn't do what she wants. If they have a Pharah. Non, Smurf, they will most likely have a Pharah. Même skin. Non, pas d'infos sur Rogue. I can bet they will have a Pharah. At least at some point. Okay. Ah, no, don't go Brigitte. It's not enough heal. Moira would be better. Or even Zen. Like we won't have enough damage if you go Brigitte. Putain, mais ça me saoule, c'est l'évidence. Tu joues pas Moira, tu joues pas Brigitte et May quoi.
We have a lack of healing, guys. Hein. Brigitte, merci. Ils ont pas de. Ah, ok. Fall back. Rotate. Come. Nice block. Kill him. Dead. Cost. Ouais, c'est Doomfist. Touch, merci. Shot. Doomfist is roaming. Anzu in the back, I got Doomfist. Anzu in the back still, guys. Okay, I'm taking. Brigitte, kill Anzu in the back, please. Go, Brigitte. Where? In the back, left. They're back in front, too. Get them, get Desire. Got him. Need help on bond. Thank you, Brigitte. Ok, I shield you. Argent shield a little. Don't please stand. I sleep. Oh, that wall was so good, dude. Flash Ren. Nice, Naruto. Ah, damn. Fuck's sake. Je pouvais pas shield celui-là. Il était collé à mon modèle avant. Going back. Fuck! Hanzo is on my face! Ah oh non! Tout le monde était mort! J'ai waste! Ça me saoule! Putain! Chier quoi! Madame. Ah! Come back. Can we have a Zen? Ah, c'est chiant. C'est chiant. Yep. Whoop. Finish Doomfist to the right. There are only three people here, we need to fall back a little bit. I can ult. I require healing. You should swap the Brigitte, man. We don't have enough heal. I can't do that now. After. Finish Doomfist. Okay, we have shield, go. Nice, Naruto. Gonzem. Tell me when you stand. Please. Just everything. Too much. Il faut qu'il me prévienne le projet quand il stand. Damn. System repaired. But damn, c'est damn. Ryan and our combo is killing us every time. Le gros problème, Albert, c'est que j'aimerais bien avoir de l'aide sur la front surtout. Me? Nice, John. Me. One pin, dead. Ouais, pas du tout. Ça va pas être facile, mais on peut le faire. Oui. Sauf s'il swap. Là, s'il swap, je suis dans la merde. Ouais. Une pressée en zone. Now I'm sort of too pissed. Okay. Which is gonna be fucking annoying for me. She's on me. She's up here. I have a shutter, beware. Some here. That's on the back. Nice. I should have shatter. What? I'm stuck! It's okay, take this pick. Oh my god, Saria! You're in the area. You owe you my life. Saria. Got her. The Ana is still back there, the guard. I'm gonna catch her. We can hold. Got her. Nice. Because she's there. Waste. Fuck that, we do now. Yeah. Yep. Ah non, faut pas que je pique. Make the line of sight of. They got triple tank now overall. Pas de Udo. Finish rain. Sorry, I was behind you. I'm dead. Yeah,
Yeah, I come. Nice. Where's Widow? Is she dead? Oh, I don't know. Okay. My fault. Fortnite, qu'est-ce que... Widow back main. 60 seconds remaining. Careful, careful. La back. Okay, I wait for you for sleep, to combo. Go, go, go. You broken? The other. Fucking Rotor. Nice. Yeah, right side, Rotor can do it. Time is running out. Face the attack. Hello, still. Oh, I'm more solo. Okay. Okay, Widow is going on the left. Last push. Roadhog left side, behind. Oh, I'm coming, Got him. Narpin. Where's Widow? Widow on me, I need heal. Good job. Nice, good job, guys. Good job. Victory. Good memes, good memes. Sur le combo, sûrement. Pourquoi on regarde ça? Ouais, ouais. Tu peux ski. Attends, une seconde. Je me suis bien amusé avec Pharah là. J'ai réussi à midair la Valk Ange, ce qui n'est pas la chose la plus facile, donc je suis assez content. Assez content. Regarde ce que le mec en face t'avait dit en début de game. Qu'est-ce qu'il avait dit? Ah, qu'il voulait te battre, il te connaissait depuis longtemps, un truc comme ça. Yuri Garbage. Ah bon. Ouais, je lis à peine le chat personnellement. J'ai toujours rêvé de te poutrer depuis que j'ai commencé le jeu. Ah, unlucky. Oui, unlucky du coup. Unlucky. Que penses-tu des voitures électriques? C'est bien. Voilà. C'est mon avis sur les voitures électriques, c'est vachement bien. Grave interprète. Swarnagor. Attends, je reviens. Merci au Minéral pour le reset de 14 mois. Merci Legend pour le reset de 7 mois aussi. Et Mr. Defense pour le subprime. Des bisous. Merci aussi Mr. Tsukasa pour le subprime. Liziel pour les 9 mois de resub. 9 mois, ça y est, on a un gosse. Je propose de l'appeler Luti. Que penses-tu de l'idée? C'est une bonne idée. Enfin, c'est un nom fort chatoyant. Pas d'autres qualificatifs en tête. Merci Gaën pour le resub de 16 mois aussi. Et merci Zunfix et Tenebrus. Quand je vois Hanzo, je veux le rework de Symmetra, ça va être fun. Oh putain. Ah, j'espère qu'ils vont pas être... J'espère que le rework de Symmetra va pas être aussi pété que celui de Hanzo, sinon ça va être très très vite terrible. Ok, donc on a un main Brigitte. Allez, je vais Zarya. Allez. Ah, c'est bon. Allez, chevalier. Je serai votre porte-bouclier. C'est parti. Toujours pas de news de James d'ailleurs. De James? De Talwar. Ah non. Pas pour l'instant non. Je sais pas s'ils ont zappé, je sais pas du tout. Je pense qu'ils ont zappé. Ouais. Allez. Let's go guys. Be aggressive guys, don't fear them. Abro dog, Reno. Non, no. Thérèse Ren, 1000 min, Little. Allo? Allo? Ouais. Ça va Alpha? Ouais, pourquoi? On te recharge Ren.
c'était un peu rouge là. Ah putain. Ah j'en peux plus de boue. Pas reçu beaucoup de soins là ce fight. La brigade. La tresseur en fait appelle paf, tout le paf, monde. Paf, paf. Alors faire gaffe, faire une Brigitte pour la tresseur. Canovia va Brigitte pour la tresseur please. On a pas assez de heal aussi. I don't know why we're running Zenyatta Lucio when we're playing Reign of Zaya, guys. We should run a Moira at least or a Mercy. We don't have enough heals to hold. Ah, j'en ai low. You have to kill Tracer, guys. Aide-moi, aide-moi, aide-moi. On s'est fait courir dessus là, il fallait qu'on inverse la pression. Mm-hmm. Ah, on a pas assez de heals. Switch the heals, guys, please, that's like urgent. T'as T'as le spare. Regroupe. Nice. Nice. Go, go, go. One dog to the left. Ok, shatter me. I think he waste, he's dead. Solo KDA, ça arrive pas le coup sur moi. Tracer dead. Good job. On a toujours besoin de switch les heals, mais good job. Don't ult at the same time, please, Zenyatta and Lucio. Je sens qu'ils vont le faire. On paraît qu'ils le font. On paraît qu'ils vont tous les deux ult en même temps. J'en suis sûr, ils vont le faire. I have grab. All shatter, all shatter, 5! Allez, tape-le! Un petit 5 AD. Y'avait besoin de ma grab ou pas? Parce que vu que j'ai vu qu'il y avait pas de kill, y'avait pas besoin, tu penses? Non. Dommage. Enfin, quoique. Je me dis au final, je repense un peu à ceux qui sont relevés. Peut-être. Y'a un autre KD qui arrive. Parce que t'as pris, mec, ils étaient tous sur toi. Non, mais en fait, on m'a mis la bombe, je suis plus back, je pense, mais. Bon. Oh le bordel! Back. Oh le bordel! La transcendance était cool, mais malheureusement, t'étais trop nombreux sur ma gueule. Yep. Back. Ils nous entendent dans le chat? Il switch pas hein, il joue. Can you switch Zenyatta please? Go go Moira. Go Moira please man. We don't have enough healers. Come on dude. Please switch. Zenyatta please. Dude, can you hear me at least? Come on. Answer me. Ah bon, je vais pas charger ma. Go go go. Putain, bande de Toto. Infernal. Faut que t'as chargé. Ashi Dainu. The back, the back. Nice. Ah, j'avais pas remarqué qu'il disait it's high tide. Ah, avec ses skins, ouais. Ah, c'est marrant. C'est nouveau en fait, ça, non? Ça va être dur. La trans qui arrive bientôt, les mecs continuent de nous ignorer. Jouer tout seul. Reyna Shatter, bio, hein. Ah, oui, le stresseur. Nice. Killer shatter. Hunter. Rodan on me. Dead. Push, merci. Dead. Nice job. Good job. Perfect. Et là ils vont dire, bah tu vois, il n'y avait pas besoin d'un autre heal. Alors qu'en fait si, on aurait pu gagner bien plus facilement. Bah sinon au pire, vu leur heal, on part sur du plus mobile, hein, je sais pas. Hein. Pense quoi. Ouais. Comme tu veux en fait, comme tu veux. Moi je vais peut-être go Rodog en vrai là. Bah là par contre, faudrait go Orisa Rodog. Ouais. Mais quoique,
Puis je vais être obligé. Cette map, elle est... Ah. Des vrais trous du cul les mecs avec nous. Luciosian for Majorissa, well. Pas ouais, trop du ouais. Cul les mecs. Hein. Un peu défensif hein. Ouais salaud. Déjà. Ouais c'est bon. Mon fils dead. Tommy. Coucou. Coucou. Nice. Thank you. Combat, combat, combat. Oula. Back on point, guys, with Zen. Allez, à plus tard, Orissa. Get the nice. Everyone. Good job. Ça tient. Notre Doomfist et notre oui, notre Hanzo surtout a l'air très chaud. Ça tient. Ah, il y a Naruto cette fois en face. Ah oui, avec sa copine. C'est ce que je te disais. J'ai pas tilté, putain. Grab là. En us. Ah, dommage. Ah bah toi et moi. Du coup, toi et moi. Hop. Ah oui, bien l'ult, alors que tout le monde est mort. Contest, dude. Putain, il a atterri Milan après, il regarde pas le point, c'est dommage. Oula. Moi je passe à droite, hein. Yep. Oh, le timing. Thank you, yes. Ah, mais chier, il sort peut-être où lui? Nice. Get the Doomfist. Ah, le Doomfist il fait ce qu'il fait depuis tout à l'heure, c'était un mec. Tu peux le tuer, mec? Un HP. Nice. Heureusement que le Zen, à défaut d'être sympa, il joue bien. Good job. Oh, ce qu'elle a pris, la pauvre Orissa. Oh lol. Non, Rodon. Hop là. Nice, dépression. Ah. Joli bum. Oh. Nice, good job, guys. C'est qui? Non, je l'ai mute, Alpha, c'est normal, sinon vous l'avez en double. C'est mieux. Sur la Dorado, sur le dernier side, j'étais pas... pas trop dedans parce que c'était un peu le bordel et le Rain avait des patterns de KD qui étaient inhabituels. Il savait pas ce qu'il faisait. Ben ouais, c'est vraiment inhabituel. Des KD qui étaient pas. J'en ai pris deux à la con. Bah, l'autre et le shield était pété. C'est moins dedans du coup. Et là, c'était nickel. La game, elle a bien tranché, je trouve. Bah, c'était propre quoi. Ah, merci Tibzy. Merci à Frostmoon pour les 100 bits. Merci beaucoup, l'ami. Hi Johnson. Ouais, la Dorado était moyenne, hein, mon side. Pas le premier side, j'ai vraiment bien géré le truc, mais le deuxième side, j'étais pas trop dedans.
Tu devrais plus trust et healer mon bon alpha. Ah non, non, là, je... pour le coup, enfin, je veux dire, tu joues Zayn... Zarya Reinhardt, c'est un miracle que tu gagnes en ayant Zenyatta Lucio. Là, pour le coup, enfin, je sais pas toi, Trauma, mais moi, c'était sport pour survivre. Par rapport et à vraiment, quoi bah, sur Ruin, avec Reinhardt Zarya, c'était très sport pour survivre. Oh, ouais. Avec le peu de heal, c'était compliqué. On a fait au mieux, ouais. On a réussi à passer parce que, pour le coup, le Zen, il touchait bien, et notre Hanzo aussi, donc ça a bien aidé. Ouais. Donc, et puis en face, ils faisaient n'importe quoi aussi, je crois. Ça n'aidait pas trop. Pas mal de wins ce soir, mais carrément, ouais. Carrément. Tout à fait. Je vous arrive aussi. Non, c'était un off-tank. T'as passé où ton après-midi ? Au cinéma. J'étais voir Deadpool 2. Attends, je reviens. Ouais. Merci, Rachid. Rachid du futur. Merci à toi. Comme Cable, tu viens du futur. Merci à toi, Rachid. Pour le subprime. Merci Deflang aussi pour le subprime. Merci Chat. Chat. Welcome fan de Brigitte, toi. Pour le subprime, bienvenue à toi. Merci Sly pour le sub T1. Mister Defense. Merci à vous, les copains. Alors, Yukio. Ah oui, elle est trop, la Yukio. Vous jouez toujours en 5, Babiz. Ouais, ouais. Toujours, toujours. Mais ouais, t'as dû le voir, le chat. Hein. Je pense, comme moi, que je... Le side de Dorado, je sais pas, je pensais un peu autre chose. Hein. Plus le Rain qui jouait bien et qui avait un pattern de KD qui est pas habituel du tout. Des fois c'était même des KD un petit peu ballsy quoi. Mais il me les balançait toujours quand on était vraiment collé au cac. Et du coup c'est un peu surpris. Alors que le premier side je l'avais vraiment bien géré quoi. En squad, Brigitte n'est pas trop OP. Non, avec les nerfs et tout, il est counter comp. Non, 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 elle est pas OP. Même en ligue, elle est pas à 100% pick. Loin de là d'ailleurs. Donc. En fait, elle est pas OP, elle est frustrante. C'est deux choses différentes. Ouais, c'est différent. Ouais. Essayons encore une fois. Mais en ligue. Enfin, en ligue, elle est OP un peu quand même. En ligue, je pense. Parce qu'ils sont sur le build où elle est pas encore nerf. C'est vrai qu'il est. Ouais. C'est le build d'avant. Exact. Passion. Peut-être pour ça, oui, Maugré, effectivement. Je me demande le rework de Symmetra commence à venir encore chambouler la méta, en tout cas. Hein. À mon avis, elle sera jouée à la place de Brigitte, Mei, tout ça, quoi. Quoique, elle fait tellement de dégâts que ça se trouve, ça suffira si tu la mets en DPS. Et du coup, on s'apprête à voir un nouveau DPS arriver. Hein. Mais a priori, elle va pas être sur le live avant le nouveau héros. Hein. C'est ce qui avait été dit, je crois, Trauma, non ? Il me semble, ouais. Pourtant, j'ai vu des articles pop comme quoi elle arriverait bientôt. Donc peut-être sur le PTR, je sais pas. Ouais, sûrement sur le PTR, ouais. Je pense. Hein. Tiens, à mon avis. Ah, un amour. Là. Ah, sans contre-nom. C'est avec qui on vient de gagner, ils sont contre nous. C'est parti. Un rework, tu veux dire, Nils Tens? Un report. Hello, guys. Un rework, ouais. Wait, this is not a interesting support. Actually, this is a good work. Let's try three. Hey, on va jouer en Zo cette fois-ci. Okay, now it's okay. No, yeah, well, it's okay now, but I think either Lucio or Zenyatta should go like a Moira or Mercy to hold the front line. You want me to switch, Lucio? No time. It's your choice. I can go Moira. Yeah, Moira Lucio could be nice. Allez, c'est parti. J'espère que le nouveau héros sera un perso masculin. Il y a eu trop de nouveaux persos féminins. C'est vrai que la plupart des nouveaux héros étaient féminins. Il n'y a que Doomfist qui était masculin. Moi j'aimerais bien un robot. Enfin je sais pas. Il y a eu Orisa, c'est vrai. Mais oui, je suis d'accord. J'aimerais bien un mec aussi. Je crois que là, actuellement, dans le roster du jeu, il y a plus de filles que de mecs. D'ailleurs. Pas sûr, mais je pourrais me tromper. C'est soit exactement égal, soit il y a plus de filles que de mecs.
Ouais. Let's go. Doomfist. We have to bait the wall. C'est pas mal, c'est vraiment pas mal. Hein. Made it. Renard to the right. C'est vraiment pas mal, Anzo. Hein. Là, j'aurais jamais dû tuer un Doomfist comme ça. Hein. Nice, good job. Where are you hiding? I'm finished. Help. I'm long the dive. I'm dead. Me, you rain. Ah, they burn. Nice. Yeah. Try to snowball, let's go. Moi ça, je touche que dalle hein, depuis tout à l'heure, je joue mal honnêtement. Let's go. Don't leave her! Heal me! Dude, I had no HP, I wasn't to heal. I know. I tried to bubble you, but I bubbled Ryan. Then a shutter. I have Zarya ult. I must reclaim my honor. Ah, il shutter, ça buff me. Down bump. Ah oh, putain, c'est quoi ce micro de l'enfer? La charge. Oh, la charge bug aussi, c'est infernal. J'ai bien dessus pour le coup. Ok, just a go. Ah, elle est là, elle. Moi, oh, j'ai pas envie de jouer Anzo, ça me fait profondément chier. Wait for Hanzo, guys. Yep. I must redeem myself. My ultimate is ready. Oh, je garde Hanzo. Voilà, grave. Ah, that's a shutter. Get ready to take damage, Ryan. One tag, one. Yep. Go. Finish him. No, he will shutter. Dead. Ah, no, watch out. Bien joué ça. Come back, Ryan. Here we go. Right behind us. Oh, I bubble. I have ultimate again. Okay, just a group. Nice. Alright, let's combo. I'll tell you, yeah. Yeah. Le combo. Don't take top? Okay. Don't fist low. Over at the beginning. Une charge. Ok, pas charge. Go top right. Go main. There's someone there. Don't fist in behind. Rodog on me! Fucking hell, they're flanking! Don't use any ult, don't be dying. Just a group, guys. We should go top right, yes. Top right. Else we're gonna get fucked in the ass by the Doomfist. Hey, if Doomfist is in a position where he just has to drop, we're fucked. Should we take high ground then? Yeah, take high ground top right. He's going mid, yeah, seems like it's first fire. See that which is unseen. I sighted the end angel. Okay. Down hook. I'm ready. One, two. Yeah. Fire at will. Oh, kill them. Insane. Lush, don't face behind us, don't face. Kade. Le Kade. Elle a pas pris. Don't fist. Hello. Hit him. Anna. Air shutter. Your enemy has a shield generator. I'm dead.
Mille. Ah, c'est tellement leur shit to fight. Des tuiles. Voilà. Allez, c'est bon. I think the shield is on the left. Yeah, Brigitte, by the way, Brigitte, can you swap to a DPS? I'm really not feeling Hanzo. Oh shit. Ah, ça me fait chier, John. You're on the left. My ultimate is charging. Wait come for back, me. Come back. Wait for the last. Ah, turret. I'm here. Oh, y'a un O-Dog donc il se la fête au CC là, pour eux. Nice pick. Get them! Ow! Back. Go back. Wait for each other, we can combo next fight. Don't die anymore. Let's go. C'est pas normal qu'ils fassent autant de ce qu'ils veulent alors qu'on a une Brigitte en fait, c'est ça que je suis en train de me dire. Ouais. On a une Brigitte et le Doomfist il est full free quoi. Il m'y met. Debuff. He's dead. Oh non. Putain, fais chier. Ah ouais, c'était le bordel. Ah le cancer. Faut que je me réveille aussi. Je stream depuis 17h. Je le sens passer. Faut que je me réveille. Ouais, absolument. Go, push. Ah, ça peut le faire, I'm dead. Tu l'as poussé. Non. Il est avec moi. C'est pas le but. Il va peut-être die. Tether. Mille when you can. Stay alive. Did you rain when you can? Ah, mais... Try to search the points. No match. Et moins de ult quand même. C'est quoi, on avait une opportunité. Hein. Ouais. Ouais. Mais honnêtement, avec Monzo, je voyais pas trop comment je pouvais win contre cette Doomfist qui nous ruinait le cul à chaque fois. Can one of the healers go DPS and Brigitte go healer? Mei and Brigitte, we won't have enough DPS, but we can full hold them if I go Mei, I think. We have a chance. So wait, what do you want? One of the healers go DPS, like Hanzo or something. Like, can someone go Hanzo or any DPS? On a que des tanks en fait. Oh putain. Should I stay Zarya? If someone else can go Zarya, you should go maybe Hanzo. Hey, Lucky, can you go Zarya? Okay, Lucky, are you sure you can Hanzo, Lucky? Or Moira? I think Zenyatta Mercy would be the safest, but Brigitte is definitely like risky if we go Mei, because if you just have a fire arrow fucked. Brigitte is pas sweet. Brigitte, can you go Zenyatta or Mercy or even Ana? Of the Shimada clan, my home. Don't chat.
What? Qu'est-ce qu'il dit? What hero did you play before Brigid came out? Ah, mais c'est pas possible. Le mec, c'est un OTP, c'est un putain d'OTP quoi. Ouais. Quickly come, fuck. Okay, never mind, go. Just go like that. Foutu au TP quoi. Fou dans la merde. Respect. Go in, we should go in. Non 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 non. Asleep, asleep. No, 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 no. Ah, le move 6 c'est tellement chiant. Ryan, go in. Mid, you Ryan. Low. Debuff. Heal me after, you rain. I need help! Push! I'm dead. Mid, I shield. Tout le monde a reculé alors qu'il y avait juste deux tanks quoi. Ah, mais j'ai plus d'humain. I'm slapped. Doomfist! C'est pas ma game. Hein. Le Doomfist c'est trop pénible. Oui, ouais, il fait ce qu'il veut et notre Brigitte n'est pas foutu de le contrer. Genre, le mec c'est un OTP Brigitte, il s'occupe pas de lui quoi. C'est frustrant. Quand je joue Doomfist, je me fais casser la gueule par des Brigitte. Notre Brigitte elle fout rien, ce Doomfist fait ce qu'il veut. Pourquoi? Je pense qu'elle arrive. Elle arrive pas à le stun avec Hunter. Ah, je sais pas. Mais... Do you see them? Okay, they are all. Doomfist on point. Doomfist on point. Last pick. I've got slap. Behind us. Doomfist on me. Ah, il bump me. Damn. Il m'a bump de dos, chanteur. Merde quoi. Trop free, Doomfist. He's killing everyone. Nice freeze. Sorry. Ah, j'ai choke. It choke. Shutter, four shutter. Nice. I'm going to die. Ah, we do it. Quand tu te tournes la caméra, c'est tellement chiant. Tempo. Heal Rain. Nice. Ah bon. No heal en fait, ils oublient ou que. Non, on avait pas no heal. Je crois pas. J'ai plus que la Widow là. Ok, nice. J'avoue, Maugré, je sais pas comment on a tenu non plus. C'est un miracle. 5 minutes. Pouvons-nous sauver le draw sur cette bonne map? On fait stop left. Nice, Zelt. Go! Alright, don't use any world. Oh my god, on right side, top right. The top right, still. Alright, dégage toi. Nice. 4 minutes. We need to save some sort of support ult for the grab. Yeah, that should be the sound barrier. My ultimate is charging. Go main, go. I should have shutter. One pin. J'ai bourriné par le Doomfist encore. Mais vous pouvez. Vous pouvez le faire. Ouais. Sorry, low. Nice. Ah, il fait chier ce Doomfist. Il joue bien, pour le coup, il joue bien. Ouais. On peut lui reconnaître ça, il joue bien. Ouais, rien à dire. Quand il est pénible, c'est qu'il joue bien. De toute façon. Est-ce que t'as plat, Tagen? Position.
plus peur qu'il me... Go 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 Zarya! Gotcha, nice. Nice. Tant qu'il joue pas avec une ange, ils y arriveront pas en plus. Right, nice. Debuff. Help, help! Doomfist, on me, left! Hey sir, I'm here. Eh non, tu passeras pas nice. Cette fois-ci, Coco. Nice freeze. Enfin, et là, c'est là que je kiffe d'avoir 250 HP contre Doomfist. So yeah. Ok, Moira is top left, probably waiting for a team. Rena's Shatter. Personne recall? Come in, main. Oh, main. Ren pin. Ren low. Dead. Good job. Nice, good job, guys. Allez, on peut le faire. Bien sûr. Ça va passer. We're out of ults though. Did they use Grav? No, they didn't. Ah nope, shit, so don't play too close to each other. I'm gonna have to target Zarya. I hear them. They are taking me down. Ryan! Nice. Killed Ryan, yeah. I killed Ryan. Nice, good job. Ah, don't fist on me. Die. They blocked me. Nice. Nice game, Brigitte. Go, go, go! La shield air shatter. Nice shield, bro. Nice. Go back. Tracer is on the right, he's on the right, she's hiding. We'll do it, guys. She's on me. Tracer is on me. La pauvre. Ils avaient tellement de temps en plus. On te recharge. Emily. Go, 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 push high ground them. Nice, I got hit. Shatter, shatter, shatter. Dead, dead, dead. Nice. Bullseye. Good job, guys. Good job, team. Ah. Putain, c'était dead. On a sauvé l'égalité, nice. Ça fait plaisir. Mais ouais, j'ai eu, franchement, je suis désolé Alpha, ça me ressemble pas, mais j'ai eu une espèce d'une demi-heure d'absence. T'as vu, je parlais plus ni rien, j'ai eu comme un gros coup de fatigue. Ah, ça m'arrive aussi. Hein. Et je stream, en fait, j'ai commencé à stream à 17h, mais ouais. Ça fait un ensemble pourri. C'est ma faute. Là, ça va un peu mieux, mais tout à l'heure, j'ai eu comme un gros coup de barre. L'encodeur, par défaut, j'ai laissé FTK. C'est trop marrant quand la Tracer, je l'ai stuck. Dans le coin, et après j'ai eu un putain de headshot trop sale en enlevant le mur. Nice. Elle était dans un coin en mode je suis mort. Ah, on a fait une belle def. Ouais, carrément. On a pu la win, ouais, c'est dommage. Mais bon. Ouais. Mais bon, c'est pas grave. Est-ce que j'ai des hypothèses sur le prochain héros? Alors, moi, je pensais à un tank potentiellement de la griffe. Moi, je pensais à un tank comme potentiel nouveau héros. Un faux ou un tox, je ne sais pas. La vache, le coup de soleil, Alpha, j'ai pas mal. Mais non, moi, j'ai pas mal. Hein. J'ai pas mal, hein. J'ai pris un coup de soleil, mais j'ai pas du tout mal. Hein. Oh, putain. Ça me fait rien du tout, les coups de soleil. Hello, guys.
Hello. Yo. Encore une. Oh, Alpha Cast. Oh là. Pas jouer Mei sur celle. Ah, je vais heal sur celle. En termes de score, on doit être à 5 wins, 2 défaites, je crois, ou 6 wins, 2 défaites, un truc comme ça. Et un draw, du coup. Ah, on a un bon score ce soir. Ouais. Le bon track record. Comment il est, Ethan, là? Ouais, ça va. Il a 6 en oeil. Carrière high. C'est... Ah, mais c'est les 3 mecs qui étaient avec nous tout à l'heure, ça. Mm-hmm. Ah, j'aurais dû les dodge, je regarde leur compo, là. Ouais, c'est assez exotique. Mais c'est ce qu'on vient de battre en fait, c'est le Doomfist, c'est un équipe. Non, mais ça se trouve, c'est qu'il rage en fait, je sais pas. Il rage contre nous, je sais pas. Je sais pas. On est déjà tombé sur ça. Parce que là, en fait, on va leur demander de swap et ils swaperont pas. Ça va être comme sur Ilios, je pense. Sauf si peut-être tu leur demandes. Ouais, j'avoue que c'est un peu chaud. Là, du coup, je leur demande pas, je laisse à notre gars pour leur demander. Allez. Ah, ils sont pas dans le voice. Enfin, pas tous. Ah, y'a plein de rags. Je leur fais absolument pas confiance à ces trois là. C'est des terroristes ces trois là. Ils prennent, ils prennent nos games en otage. Let's do this. Ah, bah, ça. I'm going on the left. Ah, j'ai un shield de Little. Ah, merci. Fais gaffe à toi. C'est broken. Nice, double, double potion. Mimi, you rain. I'm still low. Surrender to my will. Far mid, top mid. Push it, grid, dead. Froze mid. Life low, enemy. Je peux pas me charger, je suis. J'ai plus du bon. Non, push it. Ok, thank you. First on the left. Ah, Farah is free on me. Kill me. On you can. Thanks. We'll have to counter Farah. I have no HP. No life. Contest. Stay. Ah, évidemment. Ah, mais ça dead. Allez, on tient bon. First transcendence. Oh, c'est quoi ça? Life low. Avec tempo. Je peux pas tenir là. J'essaie de gagner du temps avec le shield. Comment il faut une vraie compo? Il a pris Ana. On a encore Torb. C'est con, on aurait eu le TP de dispo. Là, on aurait pu tenir. Je suis à 5600 de heal. Non, putain. Switch to counter for all. Careful, Brigitte, you're alone. You're alone, man. Why? Ah là là là. Ça me surprendrait vraiment pas qu'il se roule. Bon. Je trouve le stun. Finisher. Shield, la shield. Cut charge. Point. Mid. Not finished. Kizaria. Shitter. One shitter. Oh, he's a pin dead. Get the Doomfist. Zarya's still on point. Doomfist on the left. Oh, she rest. Ah, she's solid me. Price one. Get him.
I'm back. Same time. No. Ah, c'est cool, le nano, ça a nous gagné du temps. I'm low, I'm low. Please, this Farah, please. Ah, Nat, il part. C'est barré. Non, non, ils sont pas. Je viens de me retourner sur la Farah, ils vont me fist, ils me bourrent la. Trop free la Farah. Ils ont pas envie de gagner. Je crois que t'as raison. Allez, John Wick. Farah, Anna se jette dedans et elle me souhaite. Elle jette pas de grue, elle me fait rien. Pas reçu une seule grenade de l'Anna. Mmh. Y'a pas de dégâts, ouais. Y'a pas de dégâts dans l'équipe. Ouais, bah c'est moi là, c'est moi en gold encore. En rain. Mmh. Maybe we get Zarya too. Thanks. Je sens qu'on est pris en otage par cette trio Q. Elle est horrible. Assez horrible. Je sais pas, j'avais eu un sale pressentiment là sur Ilios, et ben ça se confirme. Du coup, qu'est-ce qu'on va prendre en attaque? On verra encore, hein. Je te tiens et puis tu fonces dedans. Hein. On va faire ça. Hein. Depression, may you get Zarya. If you can, thanks. Nice. Là, écoutez, enfin. En fait, je leur parle pas parce que je sais qu'ils sont triggers de tout à l'heure. Enfin, ils sont triggers. Vu comme le mec m'a répondu, je pense que si je lui demande des trucs, il va pas le faire. Il va faire l'inverse. Je sais pas. Mais Kaneki, c'est un vieux, hein, on le voit depuis la bêta. Je pense qu'on le connaît. Non, en non, fait. Kaneki, c'est juste un gros weeb qui a pris le même pseudo qu'un personnage de Tokyo Ghoul. Il y en a plein. Tokyo Ghoul. Il y en a plein qui s'appellent comme ça. C'est... Ok. Moi, j'ai jamais voté Tokyo Ghoul. C'est nul en plus, quand même. C'est vraiment nul, je trouve. Ah, pour le coup, je crois que c'est un des trucs. Tokyo Ghoul, je trouve que c'est l'anime en tout cas. Le manga apparemment est bien, mais l'anime, il est tellement overrated. Et je trouve ça tellement nul par rapport aux meilleurs animés qu'il y a. Et même les meilleurs animés de chaque saison qu'on voit régulièrement. J'ai enduré tout l'anime. Et j'ai fini l'anime, j'ai fait putain, mais en fait, mais c'est juste overhype de ouf quoi. Sur ton chat, Kaneki c'est un faible en plus. Allez, let's go. T'es un fragile, ouais. Ouais, non, d'accord, l'anime est naze quoi. Et y'a trop de gens en mode ah, Tokyo Ghoul c'est trop bien. Je comprends pas. On la défense, t'inquiète, le coup de barre est passé, on va les crever. Let's go, guys. They got four again, aussi. Left, left. Bien agressif, don't fear them. War better. Nice heal. Pash with me. Min. Ah, we lost Brigitte. Orisa one. Très bien, she's full charge, she's one. Me again. Tant quand même fort là. Ah, ça reste. Keep fighting. Hands up, no. Hands up the back. We lost Brigitte. Back charge. Yeah, totally, yes. Back charge. Ah bien, aide-moi, protège-moi. Attends, bro. Ah, à l'aide. Oh putain. T'es parti, je sais pas où, tu m'as fait. Go. Hello. And this one. Get him. Mid. Nice. Allez, on va. Ah, tell me when you craft. This is my friend. Moi, je me suis refilé d'un cadet. Pardon. Là. La Zarya qui me dit pas. Hein. Non, c'est grave, c'est dommage. Hein. Moi j'ai calé du coup. Ah, c'est marrant, on voit les flèches d'Anzo sur le cadavre. Oui, hey, Brigitte, we should get the back on back. Monsieur, vous êtes. Don't go alone. I agree, Brigitte should swap. There's no point to play Beacon if they can farm it. Yeah. We lost Brigitte again. Yeah, just switch, please. The Pharah is focusing you, Brigitte.
from afar. Injured again. He's gone on me. Go, 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 go. Larry one. Good job. Go, 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 shatter, shatter. A shield far out. First dead. Tu es là. Mais c'était chaud. Nice. Yes. I'm on fire. Let's go, dude. Commence attack. Okay, let's go. Whoa. I took big damage. Hello. And so he's dead. Go, go, go. Ah, le coup. Rafale. I press win button. Nice. Putain, j'ai ruiné de mourir là. Ah, j'ai vraiment ruiné. Ah, et puis lui, il ult. Il voit pas le Zen dans son dos surtout. Ah, mais en plus, il s'appelle. L'autre, il s'appelle Toka, mais c'est aussi un personnage de Tokyo Ghoul, je crois. Toka, c'est la meuf. C'est la meuf qui est emo, je crois en plus. Oh lol. Qu'est-ce qu'elle a fait, mon orbe. Point, point. I'm back, shatter soon. Excuse me, merci. There's one. Dead. I need healing. Rest is one. Pardon me, me. Il rain. Para free. Para, elle fait sa vie tranquillement. Mmh. Et personne comprend qu'il faut la focus avant de faire des teamfights. Donc fais son mi. Vraiment dommage, hein. Passer en discussion manga sur le chat. Focus farm, merci, please. Parce qu'il y a des persos pas émotes dans Tokyo Ghoul, j'avoue. J'avoue, excellente observation. C'est comme normal rain. Manquez bien, manquez bien. Kizen, Kizen. Counter charge, une petite sacrée. Nice. Okay, I, mean, I did shit. J'allais toucher à terre, merci, but she was back. Regardez. C'est quoi cet ulti caca? Allez, dégage. Bon kilo. Get the Doomfist. Nice. Ouais, Zarya, 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 Zarya. Good job. Good job, team. Laborieux, mais ouais. On peut gagner, hein. On peut gagner. Ouais. Le mec débarque à Montpellier, aka la ville des émos. C'est vrai, ça? Should I go? C'est la ville des émos, c'est vrai? MDR. J'ai jamais entendu, mais c'est possible. Could go far. Yeah, I can. But you, if I have no mercy, it's no point to play for. Can do it, guys. Mon saut de rougeur m'inquiète fortement. Oh là là, vous allez pas me lâcher. Je vais enlever la cam si ça continue. Vous le savez, ça. Vous le savez que vous allez me saouler. J'avoue à que un ça, point, fait tellement spam à avec un ça. Point où je vais enlever la cam en fait. Et ce sera marre, quoi. Ça devient juste lourd. C'est juste super lourd. Ah, merci, Chabal. Code Lyoko supérieur à DBZ, insultez-moi. Bah écoute, j'ai regardé plus d'épisodes de Code Lyoko que de DBZ. Voilà. Voilà, voilà. Moi, j'ai jamais regardé DBZ. Let's go. C'est pas la ville des émos, d'accord. Ouais, j'avais jamais entendu ça non plus. Nice. Still a farm. Ok, Farah, yep. But we have soldier now. Touch two. Be aggressive. Orisalo. Bin me. Chapter 50.
Tu mets le mid. Nice. Oh, ça va reload. Ah, dame. Il y a de. Il est dead. Counter charge. Nice. Kaneki, je l'ai vu tirer dans les murs, je sais pas ce qu'il fout. Thunder. Nice, dépression. Nice, Kaneki. Get the zone weak. Nice. J'ai soldier. Good job. La Zarya, j'ai rien. Ok, we got the combo Zarya. Let's go. I have the bad spawn. Can you come pick me up, Lucio, please? Everyone on the objective. Okay, it's my queen. Objective A captured. It's the mix. Ah, c'est bon, j'ai attrapé le bus. Regitlo. Ah, comme. Comme moi. Mais Orsa has one, bien. Nice. The Brigitte, if you can. C'est vraiment bien, Brigitte. Amlo. T'es mort. Bah là, ouais. Ah, c'est bah, top 1. C'est vraiment attardé, putain. C'est tellement attardé. Elle a fait un triple kill. Elle a mis sa tête contre le clavier. Oh là 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 là. Le mec avec son dessus, il va pas chercher les tanks aussi. It's me. What's your range? Don't take damage. Okay, go. J'ai tué ult. Barrialo. Push them. Push them in. In me. No trans. E-waste. Compte point. En fait, je trust tellement pas nos DPS que je passe mon temps à DPS la phare, mais je devrais pas. I'm low. Oh nice. J'ai l'addition. Flash Brigitte. Shatter. Let's go. Good job. Et ta mercy. Pré-shot, merci. Non, ouais, joli pré-shot. Monkey. He's low. Hey, monkey. Nice. Brigitte. I see you guys. Nice. Play. Good job. Ouais, il est moyen. Il restait 19 secondes, c'est cool ça. Ouais. Merci, Babat. Toi, t'étais cool, ouais. Grosse discussion, attention là sur les animés, les mangas. Aïe. Les meilleurs. Affronter Brigitte, c'est moins frustrant que Sim aka Satan. Alors, c'est que tu. Déjà, je vais te dire, c'est que tu joues mal en fait. Parce que Sim et 13, c'est vraiment pas compliqué à affronter. Hein. Il suffit, tu prends une Pharah, un truc à distance, tu la tues. Hein. Enfin, si t'as un peu d'aim, tu tues Sim et 13, hein. Vraiment. Et tu sais qu'elle va te tuer si tu te rapproches, au pire. Si elle te domine. T'as juste à rester à distance, et d'un coup, magie, Sylvetra ne te tue plus. Le petit. Et c'est clairement... Il y a une raison pour laquelle Sylvetra n'est jamais joué en Rankada au niveau, hein, et chez les pros. Hein. C'est que c'est garbage. You should play Soldier again, see. Oh, Pharah. Ok, let's go. Du coup, il go Brigitte. Excellente idée. En fait, ils nous ignorent totalement, ouais. Ils nous ignorent totalement, ils sont... Ah, ils sont frustrants. On peut pas build de stratégie, mais laisse tomber, bro. On peut rien build de stratégie avec eux. Ils nous ignorent complètement. On leur demande des switches, ils le font jamais. Merde, bah j'aurais dû faire mieux, voilà, aux FPS. Tout à l'heure, j'ai essayé. Les mecs sont vraiment pas cool. Il l'eau. Les tours gênent. Winston, top left. Ah, oui, à son moment. Damn, just two. Raffi. Ah, vraiment une très bonne idée la Brigitte contre une Pharah. Hein. Brigitte versus Pharah, guys. Très bonne idée. Voilà, on va se faire full counter. Je vais go Ana, mec, en vrai. Je vais go Ana. Flantier, tu m'as tué. Je parle japonais, c'est pour ça qu'ils vous comprennent pas. C'est con ce Flantier. C'est le chat. Tu m'as tué. Ok. Kill all double, my friend. I'm low. Je veux pas te heal là. Kill low.
Monkey down. Bon monkey. Comment il meurt? Hello. Ah, la Pharah fait ce qu'elle veut. Pharah is free, guys. I told you. Point. Ouais, ils ont pas envie de gagner en fait. Ils gardent. Ils s'en battent les couilles. La game. Nice. Ils ont tué la Widow, est-ce qu'il y a moyen? Une contest? Contest, bonne point. Ah, c'est dommage. T'es tué, hein, le mec qui prend Brigitte contre Pharah alors qu'on le savait. Dommage, mais c'est fini. Remix. Ah, ça m'énerve, j'ai l'impression de parler à un mur, quoi. Tellement dur de travailler avec eux. Je te prends une merci si tu veux. Ah, je veux bien, mec, hein, parce que là, avec notre team, c'est infernal. Hein. On parle à des murs depuis tout à l'heure. Mmh. Je vois bien. Pas ouf sur merci, mais bon, on va essayer. Ouais. Mais surtout qu'on sait qu'ils savent jouer. Hein. Le Kaneki, on sait qu'il peut jouer Doomfist très bien et tout. Et le mec, il décide d'être extrêmement médiocre sur cette game alors que la game d'avant, il a tout donné, quoi. Tout à l'heure, il a géré en DF. Hein. Franchement, il était chiant. Hein. Et il jouait bien, quoi. Mais oui, il jouait bien. Pour ça, là, de le voir, je sais pas, zoner, c'est super frustrant. Ouais. Ouais, grave, il est sympa le mec avec nous. Ah, il est cool. Anzolu. Mais je crois que j'ai déjà joué avec lui ou contre lui. Anzolu. Ouais, j'ai déjà vu ce pseudo quelque part. Le pseudo de la mort. 4, 3, 2, 1. Alors, Pharah, elle était tout le temps babysit. Elle a toujours une orbe, toujours un heal, toujours quelque chose. Ouais. Orissa. Be aggressive again, guys. Ah, ils ont encore une phare. Oh putain, oh la merde que je suis. Merci. Pharah, again, free. Je suis complètement en train de mongoliser. Pharah, elle me tire juste sur la tête. Elle me tire dans la nuque, Pharah, elle est tranquille. Ok, on a noué une bonne widow, ça fait plaisir en tout cas. Ah oui, j'ai vu tirer à côté, effectivement. What? Voilà, ce qu'elle m'a mis. Ah, j'ai été totalement inutile, j'ai mongolisé comme un débile pendant genre 10 secondes. Merde. J'étais sous le plafond comme un gros tarde. Oh là là, je suis perdu. Personne ne peut toucher, grave. J'imagine. On aura un winmas ce soir. Ah, attends, c'est pas fini. Yosaria. Tu peux toucher. Tempo shield. Orisa one. Ouais, ils ont pas envie. Ah, le shield. Le désir de win est affiché. T'as dessus? Non, il est de gosse, pourquoi? Mais c'est compliqué. Bah non? Ah, j'étais full bourré là. J'étais full bourré. Hein. Rune Pharah là, j'étais complètement perdu. Hein. La fatigue se fait sentir là. C'est n'importe quoi, mec. Et là, franchement, ça arrive. Complètement ruin ce side. Est-ce qu'on peut hold? Oh, si je joue May peut-être et que l'autre il. Oui, hein. 3 minutes, mais rien. Il y aura la Pharah encore, hein, c'est sûr. Tu devrais pas May. Oui, mais il faut que l'autre prenne un Oniscan. Ah, mais là il va. Ouais, mais là on met l'autre. Ouais. Ah, Anzoli l'a pris. C'est pas bête. Elle est painful cette game. Hein. Ouh, j'en ai marre cette game. Oh, j'en ai vraiment marre. C'est vrai. Oh, finally you're talking. Parle. Ah, ils sont même pas dans le vocal et tout. Pâté les rouges. J'ai pas trop le temps de voir les MP Twitch à Boomplex. J'en reçois beaucoup en plus. Je regarderai si je peux. Tu vas être solo tank. Ah, ça pue. Solo tank, je vais en chier. Ouais. On leur demande de hit scan. On a un pote qui go in scan.
Ego hit scan alors qu'on avait déjà un hit scan. Ils sont constamment à contre-pied. Ils m'énervent. Qu'est-ce qui m'énerve? Bah, ah là 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 là. Il y a une volonté de pas travailler avec nous, hein. C'est terrible, hein. Les baffes, ils méritent. What? J'étais derrière ton shield? Non, mais j'ai juste fait ma fire, mais surtout, t'es vraiment mort de ça, quoi. Mais ça, donc ça. Nice peak. Ah, mais ils ont il y a un tank, il y a un tank. Ok, I tempo. Thank you for it. Il one. Taria, loup. Afara, encore. Afara. You guys just didn't want to work with us. It's a fucking pain in the ass to play with you three. Bonne chance pour les gars. Same. Vas-y, tu peux quitter. Ouais, fin, je les ai dodge. Hein. Parce qu'ils sont infernaux. Hein. Horrible à jouer avec. Ça, c'est le genre de joueur qui m'énerve le plus. Il ne parle pas, il critique, et en plus, ils t'aident pas quoi, genre ils prennent pas les pics. Franchement, je suis quasi sûr qu'ils étaient en mode on s'en fout si on perd parce qu'on est avec les mecs qui viennent de gagner contre nous quoi. Ou qui viennent de draw, je sais pas, enfin bref. Je sais pas, eux ils ont eu un problème avec nous dès le début quoi. Mmh. Infernal. Horrible ce genre de joueur. Ah, et du coup, j'ai moins bien joué, j'étais tilté à cause d'eux quoi. C'était vraiment. Ce short game ça m'énerve. Je pense que c'est parce qu'on les a battus juste avant, hein, effectivement. Je pense que c'est ça. On les avait pas battus, on a juste draw. Non, quand, avec le Doomfist, on les a rushés. Hein. Sur Anamura, on a. Je croyais que c'était un draw. Ça fait la troisième fois qu'on joue avec eux, si je me trompe pas. Hein. Là, c'était la troisième, ouais. Donc, il y a une game, on les a battus, il me semble, aussi. Et le MS du Hanzo en début de game, délice, hein, vraiment. Tu verrais ce que j'ai pris, bro, c'était scandaleux. Hein. Ah ouais? Ah, il a tiré une flèche random et ça m'est arrivé dans le crâne alors j'étais à côté de toi. Ah ouais, désolé. Et en plus, t'es mort le temps de ma fire, quoi. Full chat, Hanzo, vrai que je commence à en avoir tellement marre de ce personnage. J'ai envie juste de le delete du jeu, quoi, dans son état actuel. Tellement énervant, quoi. Voilà. Et ouais. Allez, la dernière. Voilà, win celle-là aussi, pour rester sur un excellent ratio. Easy win. La soirée. Ouais. Ouais, c'est vrai, Vali, ouais. C'est ouf de battre trois fois avec lui, hein, j'avoue. Ah, faut pas monter. Ah, Emmanuel. Pour lui, curieusement. Reviens. Voilà. Emmanuel au micro. Ah, Delete Brigitte. Honnêtement, je préfère delete Hanzo que Brigitte actuellement. Carrément. Mm. C'est stupidement puissant, Hanzo. Allez, il faut que ça proc. Une petite Sombra. Ah, je suis désolé, les copains. Sombra, elle est quasiment jouable actuellement. Elle est dans un sale état. Mais elle est pas très méta. Elle est vraiment dans un sale état, Sombra. Bien. Dès qu'il y a une Brigitte, c'est très difficile de survivre. En fait, le problème de Brigitte aussi, c'est que quand t'as une composition à 3 heals avec Sombra, c'est ça aussi le problème, c'est que dès que tu commences à DPS un heal, soit il y a de l'aide qui vient avec l'autre healer, soit Brigitte le E. Et en gros, avec Sombra, bah, si ta cible se met à mettre full life, c'est terminé quoi. Genre. Donc tu peux assassiner personne, ce qui fait que Sombra est de nouveau vraiment uniquement joué que pour faire du hack et de l'EMP. Ouais, quasiment. Ce qui est assez triste quoi. Qu'est-ce que j'en pense? Oui, j'en pense que Brigitte, tu peux la jouer pour N, bien sûr, hein. C'est fort, c'est méta, vas-y, hein. Fais-toi plaisir. J'ai combien de temps de jeu en rain? 450 heures, je dirais. Mais depuis la bêta fermée, donc c'est pas énorme au final, comparé à certains. Pas si gros sur 2 ans, on va dire 2 ans et demi, plus de 2 ans et demi. Bêta fermée, c'était novembre 2015, je crois. Oh, parce que c'était du duo ce soir, hein, Colonel Raclette. J'aime bien la bêta actuelle, ouais, j'avoue. Là, j'aime bien. J'aimerais juste que les bugs de Reinhardt soient fixes.
Il y en a beaucoup beaucoup. Ouais. Ah, parti Emmanuel. Ah, il y a le doppelganger de Nanax, son grand ennemi, il y a Nounouk. Nounouk. Nounouk dans la game. Je galère à faire des kills avec Winston pour la même raison. Ouais, bah en gros, tous les personnages qui font peu de dégâts sont dans un vrai sale état dans la méta actuellement. C'est très difficile de t'en sortir si tu fais peu de dégâts. De une, parce que Brigitte prend ta place. Généralement, quand il y a une Brigitte... Quand il y a une Brigitte, tu prends pas un autre DPS low dégâts, sinon c'est difficile. Tiens pas trop. Là on est contre Naruto encore. Ah oui. Free kill lol. Avec nous. Bido. Voilà pour le coup, dernière game sur Hollywood, ça me va. Ça le faire. Olé. Allez, une petite mail pour les walls. Ouais. Hello my dear comrades. Prendre la compo là, non. Franchement non. Zen Soloid, Tracer Widow May, je peux pas jouer là. Merci Grappin. Grappin. Aïe. Idiot. On ira Zen. I need enough tank, please, guys. You need what? Off tank, with me. Daria. I have no front. Then I have enough tank, please. Très bien. Merci Ultiger pour le sub prime. Merci Calimero pour le sub prime aussi. Call me Peter North pour le sub prime aussi. Merci Low Judge pour le resub de 2 mois. Merci à Aurina pour les 3€. Enlève là ta cam et chante-nous donc sous l'océan avec ton accent tiède Montpellier. What the fuck. Merci Aurina. What the fuck. Merci, c'est Miss Addict pour le reset de 2 mois. Yahoo, 2 mois déjà, au plaisir de te suivre longtemps encore. Merci beaucoup. Merci Sniakis, Vinity, Gekido, Master Liam, Dragonours, Ravelus, Kitava, Darky Koolol. Darky Koolol. MDR. Tu parles espagnol ? Go. Wesh. Il est complètement. Ah, Shirez. Go. Down bump. I'm dead. Anzolo, mille, you rain. Thanks, go, flash. I'm not trapped here with you, you're trapped here with me. Pin. Oh, tellement sale, hein. C'est putain what? De mec quand même. Ça fait spike derrière. J'ai fait un mec, mais genre, c'était tellement chateux. Comme l'Anzo tout à l'heure avec mon headshot en début de game, sauf que c'était 10 fois moins impactant. C'est tellement une des meilleures lines, une des meilleures lines de Watchmen. Grave. Fatal is coming. Prêt charge, I have a pin. I kill one. Maybe two. Maybe three. Il va Algérie. Go. Flash. Ah, sleep. Non, il sleep. Oh, elle m'a cassé le. Oh, je viens de tuer le troisième. Je lui ai dit. Hello there! Are you the real Ethan Hunt? Voilà, pour la petite. Je l'ai tellement trollé la Anna, elle avait accepté son sort et j'ai arrêté de la taper. Elle m'a regardé, il y a eu un petit moment gênant. C'est ça, nice Brigitte, denier. Calm down, Andrew. Fréchante, merci. Attache, merci. Donc, faut la pilote, please. We are probing them, guys. Good job. Genji on payload. Ah. Voilà, tout totalement passé. Là, je le sais. Nice, good job. Kill Mister Monkey. Dead. I don't move. Kill me. Good job. Ah, new chance. It was to save me. Oh, you are very gentil.
Ok. Oh non, sleep again. We are entrenching sévère, my friend. I don't deserve this carry. What? I don't deserve this carry. Yeah. J'ai rien compris à ce qu'il a dit. Press un recall. Oh là là. Hop. Thank you. Oh. Damn. Diva is wanting me. Not very cool. Okay, thanks for healing. Press her low. Press her one. Fuck. Nice Brigitte, nice stun. You counter. Oh damn, I was charging before. Genji low. Press on me. Ah fuck. Je sais pas pourquoi c'est parti lentement mon E. Ah ouais, dame. C'est bon, quand tu dis dame, tu dis dame. Ah oui, mais je suis dame. Je francise tout mon truc. Quoi. Oh, dame. Je dame suis Ned. Un franco-anglais. Je veux dire dame Ned. Non, je peux pas. Il faut que je dise de la merde en français. Franco-anglais. Franco-anglais pourri. Oh, le con. Je suis à terre. Good, well on front shot, guys. Push, passion is useless. Come on, Kree. A Kree one. Best on the hand. Passion on me. Press her. Press her, press shot. Genji will blade soon. Merci, wanting to. Ashi Lion. Oh, nice wall. Good job, team. Perfect. Cette game, elle est Peggy 18. Hein. Elle est assez dure. Hein. Ce qu'ils prennent là, c'est difficile. Hein. Tu sens qu'ils paniquent un peu là. Ouais, je te dis, il fallait juste. Bon réveil. Tu remains Mei, exactement ouais. Mei est mon main pick sur cette saison, les copains. Slave sur le Shadow Alpha. KD, c'est knockdown. Ça par rapport au MMO en fait. C'est quand tu te fous. Quand on te met le cul par terre, c'est un knockdown sur les MMO. KD. Et voilà. Mais les Anglais KB. Disent pas. Ils sont tous KB. Ouais. Mais les Anglais disent pas KD, ils disent shatter. Ça a payé, le mono-tanking a payé, j'avoue, ouais, c'est passé plutôt crème. Au final, c'est pas dégueu la compo qu'on a là. T'as deux mini-tanks avec toi, Brigitte et moi. Ouais. Par contre, on aura peu de dégâts. Ah, franchement, j'ai joué DPS. We might have a bit too few DPS if you go Brigitte and I go Mei as a Zeno. Can you go Zarya? Sorry pour le stick. What? T'as choqué le Thank gars, you, man. Je crois qu'il a My répondu. KD outside, KD. Avec un dick comme Ah, ok. La réponse de gros fragile. La joue de Bastion à Bonplex, ouais, t'as raison. C'est vrai. Il m'a tué le mec. I'm about to by the way. Pour WoW, ouais, y'a pas beaucoup de KD dans WoW, ouais. J'ai joué à d'autres MMO aussi. Well, not bad, but I'm not good. Let's do this. C'est les walls, hein. Quoique, c'est dangereux quand je fais ça. En général, je me fais tuer. They have a dive. Lol. Long patch, guys. Winston on us. Ah, what? Where is that? Touch Zen. 1000. Oh non, je me suis fait instant. Ah ouais. Mais on peut pas se faire buter par une dame. Non, on a pas de Brigitte. On a plus la Brigitte. Pour ça, on a swap de Brigitte.
bon patch, mais c'est nous qui avons fait les coins sur la compo. Ouais, non, non, mais c'était pas bête de leur part de go dive. Pour le coup, c'était malin. Ouais, on avait déjà mangé, c'était risqué. Ça va pas. 2-2. Ouais, toi, je vise quel rank cette saison. Je vise pas un rank en particulier, juste j'essaie de jouer et de survivre. Hanzo, il est top. Il est above us, Hanzo. J'aime rien. T'as son the back. Forget front. T'as son my back. Killer. Reverse scan, t'as vu le chat. Ça peut servir aussi pour les fesseurs. Ah bon? Quoi? Winston! Ah, il me casse les couilles, Hanzo. Dommage. We should regroup. Ah là là, c'est AIDS Hanzo sur cette map, sur cette partie de map quand Hanzo est en haut, c'est infernal. C'est rien pour dive. Oh, Winston is hiding on the right. Winston is hiding on the right. Il mire. Attends, on se prend. Ok, go. Push them, don't kill them. J'arrête avec ça, bon. Enemy, after the buff. Fresh out Winston. Enemy. Hammer down. And healer down. Good job. Allez, on les a stoppés. Ça, c'est la bonne nouvelle. Let's get Hanzo top. Ouais. Enough with this shit. Oh fuck, j'ai pas eu le temps de monter. Ah, nice job, Hanzo. Widow, sorry. Ok. Tout Macri. Macri main. Left side. Et tout code tout. They want to kill me hard. C'est diva top. Non. Slap, flash and skip. Ah, je t'ai pas entendu là en fait. Non. Oh my gosh. Careful, watch out. Fall back, everyone, fall back. Come back, Moira. Amir. The tank is back. Zen is flanking. What? T'as la propulsion. Je comprends pas ce qui se passe là, tout le monde est spread, c'est infernal. J'ai pas compris le Zen là. Le marteau il a envoyé complètement hors de ma vue. I'm not too sure we change the picks. Well, de tous les côtés. Doesn't work so well. You guys change to bridge it. I don't know why. Ah, because they were diving. Brigitte is good to punish dive, but now I'm going May to block them in the small space. Yeah, t'as raison. I mean, I was playing with Brigitte. Combat, la Cyberbird will die, on prend. OMG. Prends Diva. Cyberbird, I told you, you're not a tank. Ah, fais chier. Non. Il joue combien de tanks le mec, il se jette sur eux. It would be, it would help if we stop going one by one. For real. Nah, it would really help. Okay. And just going one by one. Enough. Wait your tank this time, guys. Don't go alone. Je peux pas survivre. Mais bro, depuis tout à l'heure, je suis dehors, moi. Genre, yep. Peut-être que je vous attends, mais. Fuck this game. Tata. Fuck this game qui dit, mais il est con. Broken. Avec son micro qui est en train de mourir en plus. Not finish. Fight. Ouais. Moche. On va prendre le temps. What the fuck? Nice, contest, I'm coming. Nice, good job. I need healing. Heal. I should do. Widow, reste dans le shield. Désolé de spammer, mais j'allais prendre une balle dans la tête. Ah non, mais merci, bon. Elle était devant et elle te visait.
Elle est encore là. La Regen Shield là. Don't take a headshot. Regen Shield. Is that to the right, right. Thanks for heal. 2 minutes, we can do it. Mais bien mis, bien mis, Macri. Why don't they die? Très grave, left side. Pas bien pire. Ok, ok. J'ai oublié de garder le shield. I have to play defensive. Anzo flanking. Mille, mille, mille. Destroy him. I have a pin. Oh. Pilote, pilote, pilote. I'm, no, je pin. No shield. I'm going to die. Je jouais hyper défensif à cause de là. Non, on se fait découper. Nice. You clutch, Leader. J'aurais pas dû ult. J'ai eu peur. J'ai pas de trust, mon Macri. Not finished. We gain time. Lot of time. 1 minute. Don't great. Lot of accent too much. Nothing in the back. Fuck. I told you. Careful, careful. Wait. Tempo, tempo. Ouais, j'ai fait de la merde, désolé. Ah, wait. Come back, come back, come back. Go back. Ah, je suis désolé, bon. Autant j'ai cut juste avant, là j'ai fait de la merde. Ah, ça va nous coûter là. Putain, fais chier. Ah putain. Tell you to stay, guys. Contest, I'm coming, contest. Ah, dommage. La grippe qui tue. J'avais 14 HP, désolé, bro. Non, non, mais vous étiez 3, vous étiez 3. Pour ma défense, j'ai sauvé le point une fois et je l'ai throw une fois. T'inquiète. Non, c'est dommage que vous avez dit et que vous étiez 3. C'est pas toi personnellement, tout seul quoi. Ah, mais il m'a fait un beau hook. C'était de ma faute pour le coup. Mais sur Hollywood, c'est compliqué. Je sais jamais quoi jouer en dev d'Hollywood, c'est difficile ce point, je trouve. Vas-y, on va jouer ensemble, Brigade Train. Ouais, on a 3-1, c'est bon. Je pense qu'ils vont encore dive et ils vont prendre ta Brigitte, ils vont pas comprendre. Si tu veux, je go. Non, mais si tu veux, je go Zarya. You can go Brigitte Azazi, non. Si on a pas de Brigitte, on va se faire dive et on va se faire booster. Une Brigitte, hein, pour moi. So we'll dive, we need. Ok, nice, Azaz. Ou je go Rodog, hein, en vrai. Ouais, pas obligé d'être des méta slaves et tout le temps, je veux la même chose. On a pas de Hanzo en plus, donc. Rodog, non, mais. Sera... Si dive que t'as Rodog, Winston, tu l'éclates avec Diva et c'est. Avec Brigitte et c'est bon. Ouais. Chevelé, chevelé, chevelé. Donc, bon. Ouais, dive, c'est sûr. Oh bah bonne nouvelle alors. Il y a des play dive, so stick together and we just punish the Winston whenever he jumps. Yep, Diva. Junkrat, Brigitte. Ouais, Winston, c'est ça. Nice pick. Brigitte long, Brigitte one. I have her, she's dead. Delay. Ok, I delay. J'ai arrêté même mon coup de marteau quand tu me l'as dit. Il aurait pu dealer un peu plus longtemps. Ouais. Good job. We have this. Don't greet this time. Stay calm together. On point. Be ready, Rodog, Brigitte. They have Farah. Ah, yeah, Farah. And no Winston. Okay. Full focus, merci, please, guys. Argent shield. Help me if when I grab. Which one? Come back, Brigitte. Risky. Ah, c'est vu. Rodog, finish. Non! Cancel, mec, je sais pas. On a HP. Oh, le ult, vraiment, le timing. Ah bon? Pourquoi vous êtes tous. Why don't we take a hit scan, man? Oh fuck. Non, on pouvait pas prendre un hit scan, on savait pas qu'il y avait une Pharah. We didn't know it was a Pharah, man. In the earth. There was no Pharah at the beginning, my friend. Yeah, but they can change. Like, yeah, but we can't, but like, they're gonna counter us anyways. This is okay, point A for a reason, my friend. Focus. You have to play overtime, time to play, my friend. Go. Allez, mange ton mute, toi, tu m'as saoulé. Regen shield. Now don't die. Don't stress. Don't let them snowball. Ah, damn.
Shield broken. Don't let them gain too much. Fall back everyone, fall back. Ah ouais, le hook là je pourrais. Pourquoi notre Lucio meurt avec la diva là? C'est Lucio, il est rapide, tu peux dodge, allez. Combat. Don't die, wait your rain. Je le sens pas. Je le sens pas. Wait your rain, ok, let's go. Ah oui, shatter them. Go. Non, 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 achète, achète. Nice. Good job. Diva, diva. Boum boum boum, shatter. Ah, j'ai le speed. Très good. Quoi? Ah, finish. Come on! What? Attack! Be aggressive! Come on! Push! Ok, la charge ne connecte pas sur la merci. Mais touche à merci. Airshot, merci, finisher, finisher. Damn! C'est insane, hein. Brigitte. Mec, je peux pas jouer Rodog contre Brigitte quoi, genre c'est infernal. Ouais. Infernal, c'est trop pété contre Rodog hein. Un coup. Je suis désolé bro, tu vas solo tank hein. Yep. Top stress guys. Let them snowball. Déjà à chaque fois ils stressent, ils ont peur d'un truc et on défonce. Ok, are you here? My back, my back. Ok. Airshot pour ça. Nice fall, nice fall. Non. Mais putain, mais c'est pas possible. Je fais des counterplays pour que les mecs les ignorent. Il redoc, oh là là. Tout le tank en plus. Très bien qu'ils arrêtent de crever bêtement les mecs. On va se faire full dérouler ça. Nice. I'm back. Rodog, Rodog low. Kill him. Non. Merci. Vous allez crever, oui, c'est incroyable. Putain. J'ai de tuer la merci, je voulais te faire le DPS. Mais allez. C'est ouf! Sortez-vous les doigts du cul! Putain! Je peux rien faire. Ça fait plus mal et... C'est incroyable! Allez! C'est le moment de clutch! Sortez-vous les doigts! Nice. Putain, enfin! Allez! I'm coming back. I'm back, I'm back. Budget one. Nice. Merci Lou. Dead, dead. Kill two. Putain, enfin quoi. Oh, j'ai cru qu'on n'avait pas arrivé. Oh, j'en peux plus. Ça va être la last, hein. Oh oui, là là, la bande de mou avec nous. Entre l'autre qui fait que whine dans le vocal et les mecs qui parlent pas. Putain, j'en peux plus. Le pire c'est qu'on passe une excellente soirée sur nos propres games quoi, mais quand on tombe avec des mecs comme ça, qui ont pas envie... Ah ouais ouais, c'est pénible hein. Ah juste ils sont en mode, ils sont occupés. Non. Là, c'est toujours le même problème pour la ranked quoi. Ah faut leur gueuler dessus hein pour qu'ils se réveillent hein, c'est quand je leur ai gueulé dessus qu'ils se sont réveillés hein. La référence à Kaamelott, ouais. Ah bah complet. Ouais. J'ai l'impression d'être le roi Arthur et d'avoir dans ma team Lucio, Perceval, Azazino, c'est Gauvin, Switch, c'est Yvain, et Cyberbird, c'est... je sais pas, Léo Dagan, parce qu'il a quand même sauvé la game à la fin en faisant des pics, quoi.
Ça va, c'est Mecha. Go go go. Le stun. Ok. Le stun du shield, j'ai fait 500-0. Après, je pars celui-là. Ouais. Elle est folle, hein. Wait for Reinhardt break it before going like that. Nice. Go, go, go. Je souris ça. A kill tout. Merci. Merci, merci. Dead. Three. In me, in the rain. It's 3, 4, 5. Nice job. Bomba. Fail. Et la Morée, ça te va? Ah, oui, ça! Naruto là et tout, ils sont chiants. C'est bon. Mieux. Mieux, mais on a qu'une minute, donc là faut pas se rater quoi. Prochain push, faut pas que je me fasse bouffer mon ult, faut que je gère. Ok, let's go. Ah, dump. Force them to play on point. Anzo is killing everyone. Finish him! He's okay, fall back, fall back, fall back. Dead. No shield, no shield, no shield. Mid. Protège la back. On le ferait pelote. Nice. Junkrat. Can do it. Help. Vas-y, va. I'm debuff. Move. Point. I'm on it. Wheel on me. Dommage. On aurait pu win. Ouais. Dommage, c'est con, j'avais forcé la diva à descendre. C'est con. Vraiment dommage. Dommage, ouais. Bon, on aura fait quand même des super games ce soir, globalement. Ouais. Juste dommage que des fois on a eu des mecs qui avaient pas envie de tilter. Bah, c'est toujours le même problème, hein. Dès que t'as des mecs mous. Ouais. C'est assez terrible. C'est ce gauche-droite du zen. MDR. C'est marrant. Ouais. Faut que je travaille mes walls rapides à placer à distance parce que je pense que je peux faire pas mal la diff des fois. Ouais, et je suis pas assez précis sur les walls à distance. Faudrait que j'essaye de m'entraîner un peu plus à ça. Yep. Mais globalement, franchement, oui. Vas-y. Non, rien de super important, mais je disais globalement, on a fait du super game ce soir. Ah oui. Bah au final, on a pris quoi ? On a pris 50 SR. Wouh !
Moi j'ai pris que 50 SR. C'est assez triste. Bah là, parce qu'on a perdu pas mal sur cette game, j'ai l'impression. Là, j'en ai perdu genre 40 et 45. Donc ouais. On a, c'est vrai que c'est assez raide quand même. On a pris peu de SR pour le nombre de games qu'on a win ce soir. Bah ouais, parce que je suis monté à 3000. Attends. 3623 sur le Smurf. Ouais, j'ai quand même gagné 100 points hein, par rapport à. Ah oui, ouais, bah ouais. Hein. Donc là, c'est juste qu'on a pris un gros pet de points, quoi. Eh oui, ça arrive, ça arrive. Oui. Crème solaire pour se consoler. Exactement. J'ai vu ça sur ton chat toute la soirée. Putain. Ah, c'est chiant. Genre, juste, on a compris, c'est lourd. du coup, ouais. Bon, bah, je t'ai laissé la trauma. Moi, j'ai coupé mon stream. Merci pour les games, c'était top. Ouais, merci trauma, c'était nice. Bye bye. Yes. Allez, monsieur Cast. Bon, les copains. Merci, c'est toi le péon pour le resub de 6 mois. Merci à toi, l'ami. Merci, Darky aussi pour le subprime. Ultiger. Ou Ultiger pour le subprime. Merci à vous les copains pour le soutien. Le soutien de longue date et renouvelé. Merci à vous tous pour les personnes qui découvrent d'ailleurs. J'espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. Malgré le léger sel sur la fin, sur cette game où les gens étaient décidément très mous. Mais bon, c'est ce qui arrive quand on est dans une méta où peu de monde joue DPS, à part Anzo. C'est que forcément, il y a peut-être moins d'habitude à jouer DPS. Et forcément, on est plus avec plus de tank, plus de support. Mais l'impression d'avoir moins de dégâts globalement. C'est mon impression dans cette méta. J'ai l'impression que hors combo ult, il y a peu de dégâts de manière générale dans chaque game infligé d'une équipe à l'autre. Tu déconseilles quelle map pour Mei? Je déconseille Gibraltar en attaque, c'est quoique non. En fait, ça dépend. Il y a des maps avec Mei où c'est normal que ton équipe perde sur certaines parties de la map. Mais où sur certaines autres parties de la map, Mei va devenir ultime. Genre, typiquement, Hollywood, premier point, Mei, c'est pas mal. C'est pas fou, mais c'est pas mal. Deuxième partie de la map, c'est de la merde. Troisième partie de la map, c'est super. Tu vois ? Sur Route 66, première partie de la map, c'est très bien, Mei. Deuxième partie de la map, c'est de la merde. Dernière partie de la map, c'est vachement bien. Tu vois ? Tu vois un peu le pattern. Donc, en gros, t'as pas mal de maps comme ça dans Overwatch dans lesquelles Mei va vraiment être inutile sur certaines parties de la map. Et dans ce cas-là, il faut voir ta charge d'ulti. Parce que le Blizzard de Mei reste un ulti game breaker qui peut permettre de gagner des teamfights. Donc, t'as juste à voir, en gros, si tu perds le fight du premier point, que tu te fais pousser après le checkpoint où t'arrives sur la partie de map où c'est pas terrible, si t'es dans les 80% de charge de ton ulti, switch pas, fais ton Blizzard, et ensuite switch si jamais... Si vous avez gagné le teamfight et que vous restez sur cette partie de map. Parce que même si vous avez gagné le teamfight, ça ne veut pas dire que ta Mei va rester bien. Par contre, si jamais tu te fais dérouler full sur la deuxième partie de map malgré ton Blizzard, bah là, dans ce cas-là, garde la Mei pour la dernière partie de map qui, généralement, est mieux pour Mei. C'est à peu près ça, l'idée. Après, il y a quelques occasions où il faut switch ta Mei. Il faut switch ta Mei quand t'as des Fatal. Les pires contre Mei, c'est Fatal, Pharah. Fatal et Pharah, c'est vraiment infernal quand tu joues Mei. Parce que si personne décide de les counter dans ton équipe, ce sera à toi de le faire. Et ça veut dire qu'il faut que tu puisses être confortable à jouer Pharah, Fatal, Genji ou encore. Ou encore quoi d'autre? Non, en fait, c'est tout. Hein. En fait, il faut juste soit jouer Mirror, soit jouer Genji pour contrer une fatale. Et encore, c'est difficile de tuer une fatale quand t'es Genji. Une bonne fatale, j'entends. Mais c'est à peu près comme ça. Ouais, si ça joue Moira, merci des deux côtés. En effet, si tu joues Mei, merci. La tendance à être assez emmerdante. Si jamais tu arrives à bloquer un Reinhardt, mais que derrière, l'équipe arrive à te pousser bien, la Ange peut tenter un raid sur le Reinhardt. Et ça, c'est assez relou. L'idée, c'est de se reposer sur le skill d'un mec, c'est un peu jouer à pile ou face ou quoi. Bah, c'est un peu ça, ouais. C'est un peu ça, mais... Fatal, c'est tellement un personnage impactant qui va permettre à l'équipe adverse, si elle a une bonne Fatal, d'enfoncer ton équipe, que si tu joues pas un Mirror Counter à Fatal, c'est souvent compliqué. Hein. Pour Genji, c'est difficile d'aller chercher Fatal, surtout s'il a pas d'aide. Si t'es en solo queue et que tu joues Genji pour aller contrer la Fatal adverse qui, elle, est babysit par une Ange, tu vas jamais t'en sortir. Fatal babysit par Ange, c'est un des trucs les plus durs à contrer du jeu. Pas pour rien que c'est beaucoup joué en Overwatch League. Merci Golden Pix pour le resub. Désolé, t'as loupé tout à l'heure. Ah non, t'apparais pas dans les resubs. Ah.
Merci Tizaniel pour le reset de 2 mois. Bonne fête des mères, maman cast. J'ai souhaité, mais elle a pas répondu. Donc je me suis pris avant. Fantastique. Je vois de plus en plus de bons Doomfist en ranked à niveau diamant en couteau 4. Je pense toujours que le pic est trash tier. Je pense qu'en GM, le pic reste trash tier. Mais je pense qu'en diamant, ça peut passer et être un pic très efficace. En fait, Doomfist, ça peut être un pic très efficace selon vraiment l'endroit où tu le joues, la composition. Enfin, il y a plein d'éléments qui rentrent en compte quand tu joues Doomfist. Et on va dire que c'est un peu l'alignement des planètes quand tu fais une bonne game avec Doomfist de bout en bout, quoi. Tu devrais pas quitter le groupe au cas où, on sait jamais. Non, c'est pas le genre de trauma de relancer une ranked. Et on a joué Gibraltar il y a quelques jours, tu as mis la vidéo et je l'ai vue. J'étais May, tu te rappelles sûrement pas. Ah, c'était toi, Santa Claus ? Ah, t'étais français ? Ah ouais, Santa Claus, je me souviens de toi. En effet, t'étais super chaud sur ta May. Et d'ailleurs, bah, c'est une des games où j'ai commencé à réaliser que May, c'était fort. Et qu'il fallait plus la jouer. Donc, ouais, carrément, ouais. Ouais, c'est vrai que t'étais chaud sur cette game, Santa Claus. T'as sauvé la game plusieurs fois. J'ai fait quelques bonnes actions avec May grâce à toi, Alpha. Mais bon, ça reste du level gold. Non, mais faut oser. Après, May, faut pas la jouer si tu sais pas la jouer. Hein. Parce que May, c'est vachement particulier. Hein. Si t'es pas bon sur les timings de shift, si t'es pas assez réactif sur les walls, si t'es pas bon en aim sur le clic droit, parce que le clic droit, c'est vraiment une aim très particulière. May, c'est assez spécial. Hein. C'est assez spécial. Par exemple, on va parler un petit peu d'un des trucs qui sont très forts avec May. Petite technique avancée avec May. Contre Zarya, qui est très fort contre Zarya. Zarya, en fait, vous pouvez la 1v1 assez facilement, notamment quand elle n'est pas beaucoup chargée, parce qu'elle ne vous fera pas assez de dégâts et vous la tuerez avant. Donc en fait, dès que Zarya a utilisé ses deux boucliers, c'est simple, Zarya, si elle met son bouclier, vous arrêtez de tirer avec, mais ça ne sert à rien de tirer dessus. Les boucliers sont partis, en fait, il faut trouver un timing pour enchaîner les deux headshots pendant qu'elle est gelée. Vous avez dû me voir le faire pas mal de là en ranked ce soir, parce que c'est quelque chose que je fais beaucoup, et c'est un timing vraiment particulier à choper, mais qui est très fort. En gros, je l'ai mal fait. Et en gros, vous avez un point. Attendez, je vais peut-être plutôt le faire sur une cible mouvante, ce sera mieux. Vous avez un point, en fait, pendant lequel vous pouvez arrêter de freeze la cible et vous aurez le droit de tirer 2 pics à glace dans votre cible sans qu'elle ne puisse bouger. Non, je l'ai mal fait encore une fois. Tac, tac, vous avez vu ? Donc là, en gros, si j'avais tiré dans la tête... La Zarya, elle serait très 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 mal en PV. Donc ça, c'est vraiment une technique ultra puissante avec May, qui vous permet très facilement de mettre super mal des tanks. Contre les Reinhardt, c'est très très bien. Contre les Zarya, contre les Choppers. Les Choppers, faut vraiment essayer de garder un maximum de munitions pour freeze le mec pendant qu'il se soigne. Y'a rien de pire. Donc globalement, ouais. En fait, il y a aussi une autre technique qui, elle, est un peu plus compliquée à mettre en place avec May parce que... En fait, c'est pas qu'elle est plus compliquée, c'est qu'elle est plus solo dans l'optique. Elle est moins teamplay. Moi, j'ai tendance à jouer ma May plus en mode « J'espère que mon équipe va m'aider à focus la cible que je gèle. » Il y a une cible qui consiste à freeze la cible, mais à la laisser non freeze un tout petit peu plus longtemps de façon à pouvoir la DPS encore plus. En gros, vous faites ça, headshot, et ensuite vous finissez de la geler. Je vais le faire plutôt sans tirer dans la tête, sinon ça sert à rien. Gros, bon, lui il a plus de vie. Voilà. En gros, vous frisez, headshot, vous refrisez, headshot, headshot. Vous voyez ce que je veux dire? En gros, il y a la possibilité de tellement freeze la cible qu'elle ne bouge quasiment pas, ce qui vous facilite un headshot un peu gratuit. Hop. Oh bah merde, putain la hitbox. Ça vous facilite le headshot gratuit, et ensuite vous remettez à freeze la cible, et là, elle se fait freeze instantanément, parce qu'on le rappelle, hein, c'est des stacks de freeze qui restent. Bon, là, malheureusement, je l'ai pas bien fait. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça, c'est vrai que c'est très puissant, mais le seul inconvénient, c'est qu'avec des personnages à cooldown essentiels comme Zarya, et Zarya, c'est typiquement le genre de cible contre laquelle c'est bien de faire ça. Eh bien, le problème, c'est qu'elle peut activer son shield si jamais le cooldown vient à peine de revenir. Vous voyez ? Donc ça, c'est très fort. Donc en gros, moi, personnellement, je le fais pas, ça. Je sais que je devrais le faire plus sur certaines cibles. Il faut s'entraîner à le faire sur des Reinhardt, sur des Choppers. Sur des Choppers, ça peut être bien si vous savez que le cooldown est parti. Parce que ça vous permet très simplement de tuer le chopper quasiment tout seul. Parce que, en termes de calcul,
150, 150, 4, ça fait 450 points de dégâts gratos, quoi. Parce qu'on le rappelle, en headshot, le pic à glace, c'est 150 points de dégâts. Ça one-shot une Tracer. Ça fait combien de temps, combien de dégâts de headshot le pic à glace? Bah, je viens de le dire, 150 de dégâts. Voilà. Puis, ouais, non, globalement, un autre truc très très fort, si vous voyez une ange qui est un peu esselée de son équipe, faut pas hésiter. Pizza into ça. Vous voyez, le gel est très 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 rapide. En général, la hanche aura extrêmement peu de temps pour réagir. Faut pas, vraiment pas hésiter à freeze une cible qui est dans votre ulti, ça va freeze plus vite. Voilà. Go YouTube, le tuto de Mei. Non, mais enfin bref, voilà les petites techniques de Mei. Y a pas mal de petits tricks, par exemple, vous êtes dans un piège de Junkrat, hop, ça casse le piège et vous pouvez partir. Quoi d'autre? Le shift, ça vous purge. Ça, c'est un up qu'elle a reçu il y a quelques temps. Le shift vous purge du debuff de Ana. Donc ça, c'est très puissant. Ça vous permet de plus être debuff. Et tout à l'heure, j'ai considéré le faire. Je crois que c'est sur Dorado. J'ai considéré le faire parce que je me suis pris une grenade de Ana. Et j'étais en train d'aller dans le fight. Et je me suis dit, pourquoi est-ce que, hop, je me fais debuff, hop, hop, et j'enchaîne. Vu que j'ai plus le debuff, mes soigneurs peuvent faire le taf et me soigner pendant que je fais le dégât. Je pense qu'il y a des fois, faut pas hésiter peut-être à faire ça, juste pour vous débarrasser du debuff, vous faire une sorte de cleanse, vous faire une purge, et ensuite enchaîner le combat, vous voyez. Le purge du buff est ridicule, ça veut rien dire. Ah, je suis pas d'accord, moi non. Moi je trouve que c'est bien. Je veux dire, elle passe en cryostase, c'est un état invulnérable, pourquoi est-ce qu'elle aura pas une purge comme les boucliers des Zarya? Ça paraît assez logique. Le mur désactive la tourelle de Torb, oui. Le mur soulève les adversaires aussi, faut pas hésiter à le faire. Oh, MDR, ça marche peut-être pas sur les bots. Donc contre Bastion, c'est très fort. Pour le coup, le Bastion à la fin sur Hollywood tout à l'heure, j'étais assez content, je l'ai counter vraiment bien parce que je lui ai foutu un mur devant lui. Enfin, le wall a vraiment plein d'utilité, c'est un des spells les plus intéressants du jeu pour moi, vraiment. Le wall de Mei. Et il peut permettre énormément de différents plays. Si le boubou de Zarya purge l'agre, pourquoi Mei ne pourrait pas avoir ça avec sa cryo? Bah, exactement, Obi, voilà. Moira qui peut sortir du graviton, ça c'est ridicule. Ah, honnêtement, moi, plus de counterplay au graviton, ça me dérange pas. Mais voilà à peu près, hein. J'ai pas vraiment d'autres. Pas vraiment d'autres conseils sur Mei. Globalement, en fait, actuellement, je la joue beaucoup plus support que clic droit. Et d'ailleurs, je crois que c'est une sale tendance que j'ai eue là. Ce soir, j'ai eu plus tendance à la rejouer clic droit. Alors que vraiment, quand vous êtes en fight sur un point, pas hésiter, hein, vous spammez le clic gauche, vous full gelez, vous avez beaucoup de munitions, faut en profiter. Ça peut vraiment permettre de gagner des teamfights. Hein. Et il n'y a rien de mieux pour permettre à votre Zarya de se charger vite que de freeze des cibles et de ne pas forcément les DPS trop. Plus utile d'avoir une graviton qu'un blizzard général. Même si les deux sont très forts. Aussi, un truc important, quand vous jouez contre D.Va, si vous voulez pas vous faire gober votre petit snowball, votre ulti, vous faites ça. Voilà. Déjà de une, ça permet de geler plus vite. L'ulti s'active vraiment instantanément. Et de deux, la D.Va, même si elle est en train de vous regarder avec sa matrice ouverte, elle ne pourra pas vous avaler l'ulti. Donc c'est très puissant. C'est très très puissant. Moi personnellement, c'est ce que je fais. En général, quand je vois une D.Va dans un teamfight, je me dis qu'il faut que je la gèle et ensuite j'ulti. L'idéal c'est hop, geler, hop on ulti. Et comme ça, elle a aucune possibilité de vous faire une matrice. Mais globalement, faut pas hésiter aussi avec Mei. Si jamais vous avez un blizzard de près, vous foutez en hauteur. Ah dommage, on peut pas monter là. Vous foutez en hauteur et vous dropez juste comme un Reaper. Je pense que jouer Mei un peu comme un Reaper, ça peut être pas mal du tout si vous avez votre ult. Vraiment pas mal du tout. Pourquoi? Parce que du coup, quand vous dropez, vous êtes là, comme ça, vous voyez l'équipe adverse qui passe. Hop! Et hop, et là du coup ça ult instant en fait. Donc ça, je pense que c'est un truc qui peut être vachement intéressant et que je pourrais essayer de faire plus tard sur certaines maps. Reaper, c'est jouable? Oui, c'est jouable. Ça dépend de la map et contre qui tu joues, mais c'est jouable Reaper, bien sûr. Je vais arrêter de jouer, ouais.
C'est comme le pompe de Rodog, je pense que la matrice te le gobe quand même l'ult, mais elle a moins de chance. Non, je t'assure que si t'es accroupi, que tu mets ton ulti au sol, elle va pas manger l'ult. C'est sûr. Petit détail aussi important, c'est qu'un pic à glace qui fait 150 points de dégâts, ça vous donne 10% de charge d'ult. C'est beaucoup. Ça, faut pas hésiter à spammer les clics droits, vraiment, un maximum. Et pas simplement attendre. Je compte plus les fois où les stuns, matrices, etc. viennent cancel l'ult. Ouais, c'est clair que les stuns qui vous cancel l'ult, c'est une plaie. Moi-même, ça m'arrive de temps en temps. Mais globalement, j'essaye d'attendre les cooldowns en fait. Enfin, faut regarder les cooldowns avec Mei, vraiment des adversaires. C'est comme ça que vous allez vous en sortir mieux avec vos ults, c'est vous regardez les cooldowns. Si le Rodog a envoyé son hook déjà, si le Macri a déjà stun, si la Brigitte a déjà stun, enfin, vous pouvez vous dire c'est bon, je peux envoyer mon ulti. Voilà. Ça devient compliqué quand en effet, dans l'équipe adverse, t'as genre Macri, Brigitte, Diva, Rodog. Genre, que des stuns ou des trucs qui peuvent te cancel ou te manger ton ult, c'est assez terrible. Je trouve pas abusé que Brigitte, on peut pas passer à travers son shield alors que Reinhardt, oui. Bah ça, ouais, je trouve abusé. Hein. L'autre fois, j'ai essayé de freeze une Brigitte et c'est impossible. Ça, c'est pro-type aussi, c'est impossible de passer à travers un bouclier de Brigitte avec Mei. Avec Mei, en fait, si vous collez un Reinhardt, même s'il vous shield, vous arriverez quand même à le shield. À le freeze. À travers son shield, en fait. Même s'il porte son shield comme ça, vous pourrez quand même le freeze. En vous calant un peu en dessous lui, sur les côtés. Enfin bref, il a un espace, en fait, entre son shield et son armure. Et si vous êtes collé à lui, il y a un truc dangereux, par contre, aussi. C'est-à-dire, ne courez pas tout droit vers un Reinhardt en mode « Bonjour, je vais te freeze », parce qu'il va vous charger. Et il n'y a rien de pire que de se faire charger quand on est sur le point d'avoir un free kill sur un Reinhardt. Donc, avancez en biais, je dirais. Et vraiment, ayez votre shift de près quand vous essayez de vous rapprocher d'un Reinhardt pour le freeze. Parce que le shift, du coup, ça va faire se cogner la tête avec sa charge. Mais Brigitte, du coup, voilà. Même si vous vous rapprochez d'elle au corps à corps, impossible de la freeze, son bouclier est trop près d'elle. C'est assez rageant, c'est très infernal. Donc, du coup, je pense que la meilleure stratégie contre Brigitte, c'est d'avoir de l'aide de votre équipe ou de lui spammer son bouclier jusqu'à ce qu'elle n'ait plus de PV de bouclier et que vous puissiez la freeze. Mais bon. Brigitte, quoi. Je pense que Lucio mérite un petit buff. Non, je pense pas. Non, je pense qu'actuellement, c'est pas des buffs que nécessairement les persos demandent. C'est plus des nerfs pour Anzo. Et peut-être un buff pour Ana. Ana qui reste quand même trop peu efficace par rapport à Ange, qui reste la reine du supporting. Simplement. Ah. Enfin bref. Le CD de Brigitte c'est 6 secondes, celui du fléau pas loin. Ouais mais le fléau ça te cancelle pas ton ult. C'est juste le stun qui cancelle ton ult. Si tu fais push pendant que tu ultis, c'est pas grave. C'est le stun le vrai ennemi. Et Doomfist je pense en effet devrait recevoir un petit buff. Tu sais à quoi sert les effets de freeze des shields? Ça sert à rien, c'est juste un effet graphique, ça ne ralentit pas la cible. Ça fait juste du dégât, voilà, du petit dégât. Petit dégât d'ounet. Dégât d'ounet. Donc voilà. Surtout qu'Anna a eu un nerf avec le tir à travers les alliés au final. Non, c'était pas un nerf. Enfin, il y a un débat là-dessus. Il y a vraiment un débat. Il y a beaucoup de joueurs qui se prétendent être des main Anna, aguerris, etc. et qui trouvent que c'est un nerf. Je suis absolument pas d'accord. Moi, j'ai beaucoup joué Anna et je trouve que c'est un up. Ça beaucoup mieux. Pour moi, le pré-heal, c'est accessoire, c'était vraiment accessoire sur Anna. Et pour moi, c'est pas un nerf, vraiment pas. Vraiment pas du tout. C'est un véritable buff. Non, il y a plus de situations dans lesquelles c'est pratique que pas pratique. Faut arrêter de chercher midi à 14h et d'essayer de trouver une raison pour dire qu'on est plus intelligent et qu'on, en fait, on pas comme tout le monde. Là-dessus, je trouve que c'est du bullshit de dire que c'est un nerf, vraiment. Confirme, j'ai plus de 200 heures, c'est un buff. Non, mais carrément. Vite la personne en prévision du dégât, c'est utile, mais boire, je sais pas. Non, mais que dalle, ça fait pisse, quoi. C'est à peine utile, un pré-heal. C'est à peine utile. Et c'est la durée du dot est tellement courte en plus. C'est que dalle. Vraiment que dalle. Never stop fighting for what you believe in. Take your medicine.
Ah oui, bien sûr, c'est infiniment mieux de pouvoir heal à travers les temps, bien sûr. Oh putain. Enfin bref. De base, je comprenais pas pourquoi elle a pas été créée comme ça. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que c'était assez surprenant. Non, on peut heal les gens alors qu'un gars passe devant, c'est trop bien. Bah carrément, oui. Mais bon. Enfin bref. Est-ce que Flocon devrait avoir une hitbox et des HP comme une toile de Symmetra? Ah non, 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 laissez Flocon tranquille. Hein. Flocon il fonctionne très bien. Juste, faites en sorte que les stuns n'annulent pas le lancer de l'ulti de Mei, quoi. Juste, ce serait bien juste ça, en fait. Voilà. Pour toi, ce serait quoi le juste buff pour Ana? L'augmentation du chargeur est vraiment anecdotique. Ah, je trouve pas que c'est anecdotique. Je trouve que c'est bien le chargeur, c'est vraiment un bon buff. En fait, le problème de Ana, c'est quand tu la compares à tous les autres supports, c'est le seul support qui n'a pas vraiment un ulti défensif. Ange, sa Valkyrie, c'est un heal de zone, et ça lui donne un escape de ouf. Brigitte, elle crée de l'armure pour tout le monde, elle court plus vite. Lucio, il met du PV pour tout le monde. Moira, elle heal en ligne pas mal, même si c'est, on va dire, peut-être le moins support de tous les autres supports, celui de Moira, mais ça reste un heal très puissant, plus puissant qu'en termes de dégâts, en tout cas. Symmetra, on va pas en parler, elle va se faire rework. Et Zenyatta, c'est une transcendance. Et du coup, Ana, le problème qu'elle a, c'est que son ult, c'est un nano boost. Alors, le seul aspect défensif de l'ult de Ana, c'est sur un tank. Si tu fais un nano boost sur un tank, là, en effet, c'est top parce qu'il peut contester, il peut faire très mal. Voilà. Après, c'est bien que des supports aient des solutions, entre guillemets, offensives et pas nécessairement uniquement défensives en termes d'ulti. Mais c'est tellement important d'avoir ces fameux ultis défensifs dans Overwatch, notamment dans cette méta où on a des combos, que Ana, ben, c'est souvent un peu meh. Tu vois, genre, c'est souvent un peu meh d'avoir une Ana à la place d'une Ange ou d'un Zen. Donc, c'est un peu, j'ai opté pour la solution offensive. Mais du coup, je sais pas, Ana, un truc qui pourrait peut-être être cool, c'est genre... Le nano boost, peut-être moins fort mais multi, je sais pas, j'en sais rien, c'est compliqué. Peut-être lui permettre d'avoir 3 charges de nano boost qu'elle puisse tirer sur tes alliés et ça lui permettrait de faire un enchaînement de nano boost sur des teammates. Faudrait revoir les stats du nano, mais ça lui donnerait peut-être un peu plus d'intérêt par rapport à son ult. Je pense juste que Ana, c'est son ult qui est un peu weak actuellement et qui fait qu'elle est boudée. Je pense que si son ult est buffé ou changé ou rework, elle retrouvera de la puissance. Laissez Ana tranquille. Non, moi j'aimerais juste qu'elle soit plus forte, Ana. Une grosse grenade nano boost. J'avoue, enfer. Allez, Dina boost. Non, mais j'avoue, ce serait fun, t'imagines. Tu peux nano boost 2, 3, peut-être 2 ou 3 cibles. Juste, tu peux peut-être nano 2 cibles, ce serait fort. Tu nano tes 2 tanks qui dive. Ah, par contre, t'aurais la dive méta qui reviendrait à fond. Mais faut voir les stats du nano, quoi. Faut revoir les stats, faut nerfer les stats du nano actuel pour pouvoir le rendre multiple, quoi. Parce que sinon, ce serait broken. Le nano actuel x2 ou x3, au secours, quoi. Si tu devais donner un new ult à Orisa, ce serait quoi? J'aimerais bien que ce soit une sorte de bump, un bump massif, un gros KB au moment où elle pose son totem. Une grenade qui dodo tout le monde en ultimate. Ouais, je sais pas trop. Rajouter une bonne régène HP au nano. Pourquoi pas, ouais. Pourquoi pas, c'est vrai. Ça lui permettrait un peu plus de s'occuper de son équipe quand elle nano quelqu'un. Ouais, je sais pas, rendre le nano un peu plus puissant sans pour autant le rendre broken comme il l'était durant la nano, la nano blade / nano Beyblade méta. Enfin bref. Nano ton tank, t'es nano en même temps que lui. Ça pourrait être aussi une alternative, mais bon. Je pense qu'une Ana nano, ça n'a pas forcément un énorme avantage. Après, peut-être. Parce qu'une Ana qui est nano, ça veut dire qu'elle peut two-shot une Pharah dans les airs, c'est ça? Vu que c'est les dégâts, attendez, c'est 30% de dégâts supplémentaires. Elle fait 70 points de dégâts. Ouais, potentiellement. Bah non, ça suffirait pas. Ça suffirait pas. Ouais, quand même, three-shot. Ouais, non, je pense pas qu'un nano, self-nano sur Ana, ce soit si utile. Vraiment pas. C'est 50% le nano, c'est pas 30? My bad.
Bon, 650% alors ça suffit. Agent Beauty, I have you on both. Un anneau offensif qui débuffe l'ennemi ciblé. On retrouverait un peu la mécanique de la corde. Elle touche ça de tous les squishy. Tous les squishy. Ouais, du coup, ça deviendrait un support un peu DPS, quoi. Ça la mettrait plus dans la case du support DPS. Mais du coup, ça, elle serait peut-être OP, du coup. Imagine Anna qui peut... en faire. Anna qui peut DPS de ouf quand elle ult et en plus, elle a un heal de malade. Self nano pour heal plus. Ça, par contre, ce serait fun. Que pendant le nano, ses heals soient plus forts. Alors on va passer en mode, on passe en mode FAQ. Qu'envisages-tu pour Torbjörn Rework? J'aimerais bien que sa tourelle puisse être transportable ou qu'elle puisse se transformer en mecha. Je pense que ça pourrait être pas mal que la tourelle de Torb passe en mode mecha à la volée. D'avoir une sorte de transformation de tourelle qui permette à cette tourelle d'être plus mobile. Voilà. Un anneau qui fait du soin autour de la cible visée. J'avoue, why not? Why not? Ah, c'est pas bête. Quand tu touches quelqu'un avec ton arme, il peut plus être heal pendant une ou deux secondes. Ouais, je crois que j'ai vu ça sur Reddit. Bah, ce serait peut-être un peu OP quand même. Hein. Le debuff heal perma, ça serait peut-être un peu fort. Mais c'est vrai que ça pourrait rentrer dans la mécanique de logique de Anna. Ça pourrait être attribué à la mécanique de logique de Anna. Pour Orisa, générer des munitions infinies. Ouais, je sais pas. Comment rendre Brigitte moins OP mais jouable? Je sais pas, Brigitte, pour le coup... En fait, Brigitte, je pense, ça va être un de ses personnages. Si elle est trop nerf, elle va devenir inutile. Et la construction de base de Brigitte fait que c'est un personnage qui est tarde. Enfin, son gameplay est tarde par essence. Et... c'est frustrant de jouer contre un gameplay tard. Et elle a été designée pour avoir un gameplay tard. Et c'est normal, en fait. Donc, en gros, je pense que Brigitte, dans tous les cas, on ragera toujours contre elle comme on rage contre une Symmetra ou une Mei. Et du coup, c'est ce qui fait que, pour moi, Brigitte, les nerfs qu'elle a reçus, je pense qu'il faut voir comment la méta va évoluer. C'est peut-être encore un peu trop tôt pour juger. Parce que si ça se trouve, en fait, elle est balance. Si ça se trouve, elle est déjà bien équilibrée, en fait, Brigitte. Et si je devais changer quelque chose sur Brigitte, peut-être son bouclier, réduire un peu peut-être les PV du bouclier pour pouvoir un peu permettre plus des counterplay à distance. Elle a vraiment beaucoup d'HP sur le bouclier. Serais-tu favorable à ce qu'on enlève Brigitte et Moira du game? Non, bah, je pense que Moira, c'est un bon personnage. Pour Doom, augmenter les dégâts de l'ult, ce serait pas mal, non? Ça réglerait pas les problèmes de Doomfist. Doomfist, ses dégâts sont fine. Pour moi, les Doomfist, les dégâts sont OK. Ses dégâts sont OK. Je trouve que le concept de ce personnage est très audacieux. Blizzard ont chopé parfaitement le feeling du personnage. Mais le souci de Doomfist, c'est que pour taper, il est obligé d'être corps à corps. Et aussi, le problème, c'est que sa hitbox est énorme. Son animation de Shoryuken est trop lente. Regardez la lenteur à laquelle il fait son Shoryuken, quoi. Regardez-moi ça. Pouf. Genre, pendant qu'il fait son Shoryuken, t'as tout le temps de le défoncer. Tout le temps. Donc je pense que pour Doomfist, un fixe qui pourrait l'aider, soit de le passer à 300 HP, soit de permettre à ses attaques, ses clics gauches, de charger du bouclier aussi. En gros, tu permets à ces clics gauches, mais selon les dégâts qu'ils font, attention, pas faire en sorte que le clic gauche charge 30 points de bouclier dès que ça touche. Juste, si t'as touché comme ça, donc c'est-à-dire un micro-rien, bah t'as un micro-rien bouclier. Mais si tu mets des bons dégâts avec ton clic gauche, bah tu te charges du bouclier, il correspond, dans la limite du raisonnable, aux dégâts que t'as infligés. Ça lui permettrait, quand il fait ce combo-là, donc attendez, je vais vous le faire bien. Ah bah oui, mais non. Faut de la place au-dessus, sinon ça marche pas. Ce serait trop fort. Honnêtement, je sais pas. Parce que je veux dire, ça sert à rien. Si tu fais ça, tu charges quasiment pas ton shield. Enfin là, en l'occurrence, si, parce que c'est des robots d'entraînement.
Genre, t'arrives, tu fais ça. Pas, pas. Ben, juste ça, ça te donne un peu de bouclier et ça te permettrait de mieux survivre, quoi. Parce que tu prends tellement la sauce. Mais Doomfist, c'est un personnage qui va être très dur à équilibrer. Parce qu'à mon avis. Enfin, tu joues Doomfist en diamant, en platine, tu t'en sors. Parce que le perso est. Le perso, il passe à cette, dans cette ligue. Mais dès que t'arrives en GM ou à niveau pro. Le personnage juste a une trop grosse hitbox, est trop facile à toucher, n'a pas assez de points de vie, et juste manque de beaucoup trop de choses en fait. C'est ça le problème. Il a un kit d'un personnage qui est censé être agile, alors qu'il ne l'est pas en fait. C'est ça le vrai problème. C'est ça le vrai problème. C'est une grosse vache Doomfist. Hein. C'est le personnage, son passif, pour moi, c'est un des passifs les plus pourris du jeu. Parce que il te sauve la vie que d'entre. En fait, le passif de Doomfist te sauve la vie que dans de très rares situations où t'es en train de clutcher et où t'es en train de tabasser un mec et vous êtes un peu en 1v1/1v2, tu vois. Mais c'est rare ce genre de situation. La plupart du temps avec Doomfist, si l'équipe a un cerveau en face, tu te fais déchirer la tête, quoi. Et c'est ça qui est. Doomfist, honnêtement, je sais pas comment on le fixe ce personnage parce qu'il est difficile à équilibrer de base par son kit en fait. C'est un personnage full corps à corps. C'est compliqué à équilibrer un personnage comme ça. Très compliqué. Hein. Les devs eux-mêmes l'ont dit d'ailleurs. Quand ils l'ont designé, ils avaient du mal. J'avais genre 450 PV là. Oui, mais je suis contre des bots d'entraînement. Donc oui, j'avais beaucoup de PV. Alors, t'as toujours beaucoup de PV dans l'entraînement. Et là j'ai 400 PV là. 400 PV. D'ailleurs il y a un bug, il y a écrit 400. Hein. Il y a 400 PV sur 1 PV. Nerf la vitesse de charge de l'ult de Moira. Je sais même pas si... Non parce qu'au final Moira elle est pas OP en fait. Donc sa vitesse d'ult ça va bien en fait. C'est cool les petites discussions comme ça en fin de stream. Ouais, c'est sympa de temps en temps. Un Mouda 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 pour Doomfist. Bah, même pas, parce qu'un Mouda Mouda Mouda, il serait en mode ta-ta-ta-ta-ta-ta comme ça, et il serait fixe, et tu te ferais défoncer hyper facilement pendant que tu le fais, quoi. Je pensais peut-être à Doomfist, un truc qui pourrait l'aider, c'est que pendant qu'il caste un spell, il a un bonus de résistance. Genre, pendant qu'il fait son shoryu, il a un bonus, pendant qu'il drop comme ça, il a un bonus, pendant qu'il cherche comme ça, il a un bonus. Peut-être que ça pourrait l'aider. Parce que le personnage reste à poil et facile à défoncer quand il a fait ses cooldowns. Genre là, comme ça, au secours, je vais tomber dans le vide, je suis mort. Mais du coup, pendant qu'il exécute ses spells, tank un peu mieux. Il serait OP. Vous voyez, c'est ça le problème, c'est que dès que tu essaies de trouver une solution pour ce perso, je pense que la moitié de la communauté a peur qu'il soit OP. Et c'est pareil pour les devs. C'est pareil pour les devs, quand je leur ai parlé de Doomfist, je leur ai dit, vous en pensez quoi de Doomfist? Et Jeff Kaplan me disait, bah ouais, mais Doomfist, faut être méfiant parce qu'il peut très très vite être OP, quoi. Et c'est vrai. Stay down. Enfin bref. Ou son point est invincible. Ah, tu veux dire que quand tu lui tires sur son point, ça fait pas de dégâts? Ça pourrait être marrant comme concept. Ça l'aidera un peu plus à tanker. Son clic gauche a un feeling assez horrible, je trouve. C'est probablement une des armes les plus lame du jeu. Le bruit est pas terrible, les dégâts sont très très aléatoires. Il y a un feeling pourri sur ce gun, j'arrive jamais à viser avec en plus. C'est... Je sais pas, ce gun, probablement le pire gun du jeu. Je sais pas. Un buff des dégâts avec Ana pour pouvoir two-shot une Tracer. Enfin, je suis pas sûr que c'est ça qu'il faut. Ana, ça reste en support et tu vas pas la prendre pour faire des dégâts, tu vas la prendre pour faire du heal surtout. Il n'est pas censé détruire des immeubles avec son poing. Bah si, si. Si, si. Et Reaper, penses-tu qu'il est viable actuellement? Sinon, tu proposes à quoi? Moi, je pense que Reaper, actuellement, il est viable. Mais ça dépend des compos. Reaper, il peut carrément être viable si tu le joues bien. Mais je pense que son E... Pour moi, le spell... Pour moi, déjà, il y a... Reaper, déjà, il y a un problème de furtivité avec ce personnage. Reaper, regardez le bruit qu'il fait quand il tombe. Là, déjà, je suis en train de me téléporter. Regardez le bruit que je vais faire quand je tombe. Vous avez entendu? On a entendu paf avec la Ranger et on a entendu Et l'autre fois on jouait avec Trauma en Game Viewer et je l'ai entendu drop derrière nous juste avec ça. Quel autre personnage fait autant de bruit en droppant au sol, quoi? Genre,
sais pas, Enzo je crois qu'il fait un peu de bruit mais... Et c'est que dalle à côté quoi. Il avait fait un petit heu. Mais je sais pas, genre j'ai l'impression que Reaper, c'est juste le personnage le plus bruyant du monde quoi. Il fait beaucoup beaucoup de bruit. Son E fait beaucoup de bruit, même si ça a été nerfé, il fait toujours trop de bruit je trouve. Et je pense que son E est juste... C'est un spell en fait qui appartient à un autre âge d'Overwatch. Par rapport à la vitesse du jeu aujourd'hui, je trouve que le E est simplement un spell à la rue. Pour moi, le E devrait être changé. Il devrait être beaucoup plus rapide, devrait s'exécuter beaucoup plus, de manière beaucoup plus fluide. Il a plus sa place dans le jeu pour moi, le E de Reaper. Surtout qu'il a même pas une portée si ouf, quoi. Encore s'il avait une énorme portée, pourquoi pas? Ça te permettrait de faire des flanques de malade. Mais il a même pas une portée si incroyable. Regardez, ça c'est le max de sa portée. Widow et Macri font beaucoup de bruit, c'est vrai. C'est vrai. Mais dans le cas de Reaper, il a besoin de pouvoir drop dans le dos des gens. Comme ça. Et il a besoin de pouvoir drop dans le dos des gens et de faire vraiment beaucoup de dégâts par surprise. Ghost, il arrive juste pas à faire quoi. Un peu à la Dishonored, ouais carrément, je pense que ça pourrait être cool. Ça ajouterait de la dynamique au gameplay de Reaper. Parce que, en plus, c'est terrible à utiliser ce spell, genre. 1, 2, 3. Oh là là. C'est laborieux ce spell. Je pense que ce spell devrait être revu. Ce sera sympa un dash à la Moira. On le voit où se déplace et dans la verticalité aussi. Ah peut-être, ouais. Ouais, j'avoue, ça pourrait être cool. Et puis en plus, pour le coup, Reaper, ils peuvent faire un peu ce qu'ils veulent avec ce personnage en termes de rework slash changement de spell. Parce qu'en gros, ce personnage, c'est ta gueule, c'est magique, je suis dans les ténèbres. Donc ils peuvent faire ce qu'ils veulent, il n'y a pas de restrictions technologiques. Par contre, le spell instant se serait pété. Genre juste, tu cliques, t'es là-bas, ce serait trop fort, je pense. Ce spell va être un peu un doublon du futur TP de Symmetra, non? Ouais, c'est vrai. C'est vrai que ce sera un peu un doublon en plus. Il devrait juste pas faire de bruit quand il tombe. C'est une ombre, quoi. Bah oui! Il fait même du bruit quand t'es en forme spectrale! Même quand t'es en forme spectrale, il fait du bruit! T'entends ces rangers qui tapent le sol alors que c'est littéralement un nuage de paix. Sérieux, quoi. Tracer est out à vie ou pas à cause de Brigitte? Non, non, tu peux run des compos Tracer, Pharah, et dans ce cas-là, Brigitte va pas forcément avoir du fun. Non, non, Tracer, tu peux toujours la jouer, mais c'est plus difficile. Et heureusement. Surtout que quand tu vois les trailers, ils se déplacent un peu comme un mange-mort de Harry Potter, c'est vrai. Le passif, pour moi, il est pourri aussi à Reaper. Par contre, je suis pas d'accord. Je trouve que le passif est bien. Le vol vide, Reaper, je trouve qu'il est bien. Il est peut-être pas assez puissant. Ah. Peut-être pas assez puissant, le vol vide. Ah, parce que là, c'est vrai que j'ai infligé quand même... Je suis deux mecs à 200 en PV, j'ai heal 0 en PV. Pas heal grand-chose. C'est vrai que le heal est pas incroyable. Peut-être buffer ça un peu. Bon, quand tu fous les shots, tu te heal bien mieux. Faut lui mettre des lance-grenades, Reaper. Ah, un truc d'ailleurs aussi, je pense que les devs devraient un peu explorer ça. C'est de permettre à Reaper de faire un... Parce que ça, c'est d'ailleurs un spell. J'ai lu ça dans le bouquin Tout l'art d'Overwatch. Permettre à Reaper de faire un smokescreen, de faire une bombe fumigène autour de lui. Et c'est quelque chose apparemment que le personnage pouvait faire au début et qu'ils ont retiré. Je sais pas pourquoi ils ont retiré ça. Mais en gros, ils ont retiré la capacité que Reaper avait à envoyer des fumigènes. Et moi, je pense que ça pourrait être pas mal, quoi. Enfin, tu tèches des fumigènes dans la mêlée, ça peut forcer le counterplay avec des Hanzo qui envoient des flèches soniques ou des Widow qui envoient des ultis. Why not, quoi. Tu mets un petit nuage de... Un petit smoke screen, comme ça, il fonce dans le tas, il met sa smoke et il fout le bordel au corps à corps. Why not, quoi. Why not. Bombe fumigène qui silence, par contre faut se calmer, hein. Je pense que là ce sera complètement broken. Genre une fumigène toute noire là, ce serait stylé je pense. Ça pourrait être cool. Enfin bref, je pense qu'on va stopper ici les copains.
On va stopper ici. Moi, je vais vous laisser là. Désolé, il n'y aura pas de Game Viewer ce soir. On en fera la prochaine. Pas de stream demain soir, mais attention, il y aura un stream mardi soir, donc après demain. Enfin, du coup, demain, vu qu'il est déjà 1h du matin, donc ce sera demain. Donc, mardi soir, il y a le patch Sea of Thieves qui sort. Donc, on va tester le nouveau Sea of Thieves. On va découvrir ce que vaut ce patch Sea of Thieves. Apparemment, il y a une nouvelle créature sous-marine et tout. Enfin, bref, il y a du nouveau. J'avais dit que je ne referais pas de live dessus tant qu'il n'y aurait pas eu de nouveau patch. Bon, j'ai un peu menti parce que j'avais refait un live quand Locke était venu, il m'avait forcé. Mais du coup, on va tester le nouveau patch Sea of Thieves mardi soir. Donc, on va retourner la tête, la première dans le grog mardi soir. J'espère vous voir nombreux. Je pense qu'on va bien, se marrer. Zut, j'ai cru du Warhammer. Ah oui, du Warhammer, en fait, j'aimerais bien que Trauma puisse l'avoir aussi. Parce que Warhammer, c'est quand même plus fun à deux. Donc, on va voir si Trauma peut récupérer le DLC et si on peut en faire. Donc voilà, on va faire du Sea of Thieves mardi soir. Et ensuite, moi, mercredi, je ne pourrai pas live ni jeudi parce que je serai à l'Overwatch League. Je commenterai l'Overwatch League mercredi soir et jeudi soir. Ensuite, j'ai du boulot sur Paris vendredi et je reviendrai normalement dimanche. Samedi soir. Et dimanche, je serai de passage à l'event à Montpellier. L'Occitanie eSport, je crois. Donc, je ne sais pas si je ferai quelque chose là-bas. A priori, non. Mais je serai de passage à cet event. Donc, peut-être pour faire un fan meet-up, rencontrer des gens. Ah, bref. Peut-être dans le coin, n'hésitez pas. Je traînerai certainement sur les lieux. Peut-être que Trauma sera là, même si j'ai un doute. Ce sera dimanche à l'event à Montpellier, l'Occitanie eSport. Voilà. J'en suis fait un rétro gaming sur Dawn of War le premier. Ah, ce serait cool. Ce serait cool, Kratos. Je vais peut-être lancer ça, c'est vrai que j'avais eu cette idée de faire du rétro gaming sur des vieux jeux, mais le problème c'est que les vieux jeux ils sont pas forcément compatibles avec les machines actuelles quoi, des fois c'est compliqué à faire fonctionner. Enfin bref, je vous laisse là ici, je laisse ici là du coup, voilà, fantastique répétition. Vous retrouverez la VOD comme d'habitude sur la chaîne Alpha Replay en 1080p 60fps. N'hésitez pas à follow la chaîne pour être au courant des prochains streams si ce n'est pas déjà fait, et à vous abonner sur YouTube, tout ça, vous connaissez la chanson. Bref, j'espère que vous avez passé un bon moment ce soir en ma compagnie. Je vous fais des bisous. Merci à tous d'avoir suivi. Et puis, à une prochaine. Bye-bye.